Alors, merci pour le rappel. Alors, c'est fait, ça enregistre. OK, donc, on va commencer avec le petit ordre du jour. Alors, les nouvelles du président, bien, c'est ça. La semaine dernière, c'est sûr, mon CA n'est pas tout là, mais la semaine dernière, c'est ça, samedi dernier, on a eu la réunion de l'Assemblée générale annuelle. On en parlait un petit peu avec le support de Zoom. Je trouve que pour une première expérience, ça a super bien été. C'est sûr qu'il y a des améliorations à apporter, autant dans les procédures que peut-être dans la façon, dans les procédures finalement, là, pour se connecter, parler. Et les votes se sont faits comme prévu. Ça aussi, ça a bien été. On a un petit peu, moi, tout vous muter, puis je m'entends parler, on dirait. OK. Ça a été une belle réunion et ça a été concluant. Le point principal, c'était surtout l'augmentation de cotisations pour 2019 et 2020. Et ça a été réglé. Et ça a passé quand même avec un bon pourcentage de pour. Et en tout cas, c'était espéré que ceux qui étaient à compte, mais en tout cas, qui ne nous laisseront pas, qui prendront peut-être la décision de rester malgré tout. Mais tout ça pour dire que dimanche à 10h, hein, notre CA, on va être là, puis on va se rencontrer sur Zoom pour faire le point là, sur la saison qui commence et la saison qui achève là, au niveau des réunions, mais surtout au niveau des cotisations, parce qu'on vient de recevoir un courriel là, de Jasmin qui nous explique que la cotisation 2019 va falloir la payer bientôt. Alors, mais par contre, moi, j'ai rappelé, puis ça, bien, peut-être que je pourrais vous le dire, là, j'ai rappelé à Jasmin, je sais que ça n'a pas fait partie des discussions sur Slack, mais j'ai rappelé qu'à un certain moment donné, on disait que ceux qui avaient payé membre étoile, il ne faut pas oublier membre étoile, quand même 20 $, on avait dit à un certain moment donné qu'eux autres n'auraient pas l'augmentation de 10 $. Là. Mais ça a comme été comme perdu dans l'espace intersidéral. Fait que là, je l'ai ramené, j'ai ramené cette position-là à Jasmin. Et eux, ils ont une réunion le 11, mardi prochain. C'est-tu mardi? Non, ça doit être jeudi prochain. Et en tout cas, il va leur en glisser un mot. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, même si on ne l'avait pas dit, moi, dans ma tête, c'était comme... Mais c'est ça, il ne faut jamais apprendre à rien pour acquis. OK. Donc, cette semaine, au niveau du club, je vais vous partager l'écran. Si je peux retrouver ce fameux écran. OK, attendez un petit peu. C'est toujours difficile, on dirait, parce que là, je vais baisser ça. On dirait que parce qu'elle n'est comme pas en priorité. OK, là. Alors, ça, c'est... je vais la mettre... OK. Alors, ça, c'est mardi. Je vous avais déjà montré dans le passé les photos de notre navette spatiale qui a environ une douzaine de pieds de long. Alors, la voici maintenant sur son socle, bien installée en avant du planétarium. On a attiré les regards de plusieurs curieux, puis je pense qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. Alors, la voici. Alors, c'est bien fait. Et la base en bois ici que vous voyez, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que suite à une idée que quelqu'un a eue là-dessus, on va faire... ça ici, c'est à 4 pieds par 8 pieds, même si ça a l'air de 4 pieds par 4 pieds, là. Alors, c'est à 4 pieds par 8 pieds et on va mettre un 4 par 8 avec une petite fresque de la Terre et de l'espace au-dessus. Et ça va comme simuler que la navette spatiale est en orbite autour de la Terre, en tout cas. Quelque chose de ce genre-là. On va en parler à Chantal. Chantal n'est pas là ce soir. Elle est
ne pouvait pas se joindre à nous. Après ça, ben, l'autre photo, ben, c'est ça, c'est la photo qu'on peut voir la navette sous un autre angle. Hein, c'est ça. Et voici la fusée de Tintin qu'on est en train de finaliser. À l'heure qu'on se parle, elle est pratiquement terminée. Ça, c'est une photo que j'ai faite, je pense, c'était mardi. Et là, on est vendredi. Mais là, le monsieur, il ne va pas travailler aujourd'hui. Fait que j'ai l'impression qu'en tout cas, qu'il me disait la dernière fois que j'y ai parlé que tout ça ici, c'est fait. Il restait à faire le cône pour la pointe de la fusée. Alors, ce n'est pas exactement la fusée de Tintin, mais ça y ressemble un petit peu. Alors, ça aussi, ça va être installé bientôt au planétarium. D'après moi, la semaine prochaine. Et après ça, j'avais une autre photo. OK. Alors, ça, c'est une photo que j'ai, que ma caméra de détection a prise au matin du 31 mai à 3h06:43. En tout cas, c'est l'heure qu'elle m'a donnée. Et on peut voir, puis on peut voir qu'on ne voit pas grande étoile. On a peut-être une petite étoile ici qu'on voit, là, une là. Mais à part ça, c'était que des nuages, mais pas extrêmement opaque, mais quand même des nuages assez présents. Et regardez cet impressionnant météore et ce flash de lumière qui a été créé. Alors, j'ai communiqué avec Denis Vida de l'Université de Western Ontario pour lui dire, y a-t-il quelque chose à faire avec ça, tu sais? Donc, lui, ce qu'il me dit, c'est que de un, ça n'a pas occasionné une météorite parce que le déplacement total, la durée totale de la visibilité du météore était juste de 2,3 secondes, ce qui est quand même beaucoup. Mais eux autres, ils disent qu'il faut qu'un météore qu'on l'ait vu au moins minimum 4 secondes pour espérer que ça puisse aboutir en tant que météorite. En tout cas, donc même s'il n'y avait pas, même s'il y avait fait beau, puis qu'on aurait pu faire des positions astrométriques, parce que vous savez que lui, Michel, qui est à Québec, puis moi, eh bien, on est jumelés ensemble. Et c'est pas automatique, mais normalement, on voit régulièrement les mêmes météores. Donc, alors, mais ça prend des relevés astrométriques et c'est pour ça que les caméras, ils sont calibrés et sont recalibrés à chaque jour pour s'assurer de la précision de cette calibration-là. Et à partir des étoiles, on est capable de dire exactement un peu ce que Orion nous expliquait avec le projet Fripon. Ils peuvent calculer les orbites et savoir de un, d'où il vient, ce météore-là, de quel astre il vient. Et aussi, s'il tombe sur la Terre, on pourrait savoir assez précisément dans quel secteur qui est tombé. Ça va pour ça? Claude? Oui? J'aurais une petite question. Est-ce que c'est une composition de combien d'images? Puis, est-ce que Michel l'a vu aussi de Québec? Non, Michel, c'était bouché, malheureusement. C'est une intégration, c'est une image, OK? Si tu vas voir dans le répertoire des images, c'est une image, mais qui contient 256 images de 1/25e de seconde. Je ne sais pas si... Autrement dit, la caméra filme à 25 images par seconde et lui, il fait un stacking de 10 images et ça donne ça. Mais chaque image, tu peux aller voir chaque point que... Moi, c'est pour ça que j'ai calculé 2,3 secondes, puis lui m'a le confirmé en Ontario. Tu peux savoir exactement le nombre de secondes qui est resté parce que chaque fois que tu vois le point, c'est 1/25e de seconde.
Alors, si tu vois 40 fois, ben c'est ça, c'est 40 divisé par 25. Ça te donne à peu près la. Alors, dans ce cas ici, je pense que tu as une soixantaine de points différents que je pouvais suivre sur l'écran. Et tu as un logiciel pour ça, hein? Tu peux les voir frame par frame, un par un, où tu crées ton animation, puis là, tu le fais aller. Ouais, c'est bien fait. Ça répond à ta question, Gaëtan? Oui, ça répond à ma question. Puis juste pour ton information, le matériel, selon les fournisseurs, c'est tout chippé. Ah, Donc, il me reste juste à le recevoir puis l'installer. c'est bon. Mais fie-toi pas à ça. C'est pas parce qu'ils disent que c'est chupé que c'est vrai. Hâte d'avoir. Ben, je vais te dire pourquoi. Parce que, tu sais, l'espèce de boîtier, là, quand je l'ai commandé, le lendemain, ils m'ont dit que c'était chupé. 3 semaines plus tard, ils m'ont dit. On n'avait plus le 6 pouces, on t'a envoyé le 8 pouces à place. Bon, c'est là que j'ai vu, j'aurais. Ouais, en tout cas. OK. Alors, on serait rendu déjà à la conférence. Alors, ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Gaëtan Laflamme, du club, je ne me rappelle pas du nom, mais je suis persuadé que Gaëtan il va me le rappeler. Il est dans le secteur de Thetford Mines. Et son sujet, je pense qu'il. Il est très à propos, c'est le cycle solaire. Est-ce que les changements dans l'activité solaire ont une influence sur les changements climatiques? Alors, ça, je pense que ça va être vraiment un sujet là, extrêmement intéressant. Et sur ce, je te laisse la parole, Gaëtan. Donc, merci beaucoup, Claude. Je vais partager tout de suite mon écran. Est-ce que vous voyez bien, puis est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est moi qui vais te répondre, Gaëtan. OK. Ça va être plus facile. Puis si les gens ont des questions, s'ils pouvaient les poser, je vais te laisser, Claude, le soin de me transmettre les questions ou les poser. Vous pouvez les poser au fur et à mesure. OK, Donc, Gaëtan, c'est ça, tu les veux au fur et à mesure qu'ils vont arriver? c'était possible, oui. OK, Pour pas parfait. être obligé de reculer dans la présentation. Donc, Bon. je me présente, Gaëtan Laflamme. Je suis du club d'astronomie des Sentiers pédestres des Trois-Monts. Le club a été fondé en 2010 lorsque je suis arrivé dans la région parce qu'il n'y avait pas de club d'astronomie dans le coin. Auparavant, eh bien, j'étais au club d'astronomie de Rimouski avec Damien Lemay, puis Luc Bellavance, etc. On avait notre observatoire. Puis ici, la maison où je demeure, eh bien, j'ai construit un nouvel observatoire pour installer mes télescopes. Et donc, j'ai un télescope Newton motorisé de 16 pouces, puis un Schmidt Cassegrain de 12 pouces. Avec un go-to. Puis je fais de la photo aussi à partir de ces instruments-là. Donc, ce que vous voyez sur l'écran ici, c'est d'abord une présentation que je voulais vous faire au Club Boréalide. Puis l'idée m'est venue tout simplement suite à une conférence qui avait été faite au mois d'octobre dernier au Cégep de Thetford. Puis au Cégep de Thetford, c'était une conférence sur les changements climatiques purs et durs. Donc, tous les mouvements, les changements occasionnés par l'industrie qui amènent des changements climatiques. Puis, lors de cette conférence-là, eh bien, il y a une personne qui avait demandé, oui, mais le soleil, quel est l'impact du soleil sur les changements climatiques? Puis, plusieurs personnes me connaissaient en tant que membre du club d'astronomie de la région. Puis ils sont virés vers moi pour avoir la réponse. Puis j'ai dit, je prendrai pas de chance de vous donner de réponse. Donc j'ai fait une recherche pour voir quel était l'impact du cycle solaire sur les changements climatiques. C'est le thème de la présentation de ce soir. Donc on va procéder. Donc au niveau de l'agenda, je vais vous parler dans un premier temps de l'activité solaire. C'est quoi l'activité solaire? Ensuite, l'énergie solaire. Depuis les années 1978, on peut mesurer l'énergie qui arrive à la Terre, étant donné qu'on a des satellites dans l'espace. Les causes de changement climatique. Donc, est-ce que le Soleil contribue vraiment au changement climatique ou non? Puis à long terme, quel est notre avenir? Donc, c'est les principaux points.
Au niveau de l'activité solaire et des changements climatiques, il y a plusieurs idées qui circulent, qui expliquent que les changements climatiques, donc il y a des idées qui préconçues qui existent au niveau de l'activité solaire, puis c'est très répandu. Quand on fouille sur Internet, on trouve toutes sortes de choses là, qui n'ont aucun rapport. Ça veut absolument rien dire, mais on attribue beaucoup à l'activité solaire les changements climatiques qu'on a sur la Terre. En réalité, qu'est-ce que c'est? Quelle est la réalité? Donc, c'est ce qu'on va tenter de découvrir. Ce que vous voyez sur l'animation ici, c'est tout simplement les changements au niveau de la température depuis les années 1950 jusqu'à 2013. Donc, on voit des variations qui sont pas, oups, qui sont pas tellement grandes. C'est de moins 2 degrés centigrades à plus 2 degrés centigrades de variation. Et on constate que depuis 1950, il y a une certaine élévation au niveau de la température moyenne sur la Terre. Puis, on peut se demander par quoi c'est causé. Donc, au niveau de l'activité solaire, pour se remémorer un peu qu'est-ce que c'est que au cours des 400 dernières années, on a commencé à mesurer ou à avoir des statistiques sur les taches solaires, puis on dénombre aussi la quantité. Donc, à partir des années 1612, c'est Galilée qui a commencé à observer le Soleil. Puis, il a constaté qu'il y avait des taches sur le Soleil, puis que tout ça bougeait, parce que le Soleil tourne sur lui-même, bien entendu, sur une période de 27 jours. Puis, ces taches-là apparaissent et disparaissent avec le temps. Depuis les années, je vais regarder ma note, 1761, eh bien, on compte officiellement le nombre de taches solaires. Puis, on a commencé à calculer les cycles qui existent depuis ce temps-là. Donc, on est rendu à l'an 2000, à partir des années 1761, qui est le premier cycle. Eh bien, on est rendu en 2020, on était au 24e cycle. Et aujourd'hui, au début de l'année 2020, eh bien, on peut considérer que le 25e cycle est commencé. Donc, c'est bien parti de ce côté-là parce qu'il y a des nouvelles taches solaires qui apparaissent présentement sur le Soleil. Donc, le cycle solaire, c'est une période d'environ 11,2 années en moyenne, mais ça peut aussi, ça peut varier entre 8 et 15 ans pour certains cycles solaires qui ont déjà été observés. Donc, aujourd'hui, on est rendu dans le cycle 25, c'est beau. Donc, pour quelle raison qu'il y a des taches solaires? Donc, j'ai mis ici une image qui montre une tache solaire. Ça a été pris par un télescope qui s'appelle New Solar Telescope. Donc, c'est une résolution très, très grande. Ça représente environ chacun des grains ou des granules. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais chacune des granules qu'il y a sur l'image représente environ 1 000 km. Puis, les grains les plus fins, c'est 65 km. Donc, les cycles sont basés sur la présence ou l'absence de taches solaires. Puis, les taches solaires, c'est plus l'activité du Soleil est importante, plus il y a de taches solaires. Puis, la partie noire qu'on voit sur le Soleil lorsqu'on l'observe avec un télescope et des filtres solaires, eh bien, c'est tout simplement dû au fait que la température est inférieure à la température moyenne à la surface du Soleil. Donc, le point noir, ça représente à peu près 1 000 degrés aux environs de température en moins sur le Soleil. Donc, si la température moyenne est à 6 500 degrés, on a peut-être 5 500 degrés centigrades dans la partie noire à la surface du Soleil. Puis, c'est de là aussi que toute l'activité magnétique sur le Soleil, c'est aussi à partir de ces taches solaires-là que ça existe. Donc, ces taches solaires-là aussi disparaissent et réapparaissent au fur et à mesure que le cycle avance. Oups. Je voulais vous montrer aussi un site web. Je ne sais pas si ça va partager. Est-ce que vous voyez l'image du site web? Encore. Pas encore. Donc, je vais devoir le partager. Ouais, ça se peut bien. D'habitude, c'est ça qui arrive. Donc, c'est pas celle-là.
Ce sera pas long. Donc, c'est un site qui s'appelle spacewater.com. Puis, sur ce site-là, on trouve beaucoup d'informations, entre autres pour les prévisions de vent solaire. Donc, plus les vents solaires sont intenses ou rapides, puis que les vents solaires sont dirigés vers la Terre, eh bien, à ce moment-là, plus on a de chances d'avoir des aurores boréales. Et chez vous, vous êtes un peu favorisé à ce niveau-là. Donc, comme hier soir, ça descendait presque à la moitié du Québec. Je ne sais pas si vous avez pu en voir chez vous. Disons qu'on était presque à la pleine lune, donc c'était difficile. Ouais, c'était bouché hier soir aussi. Ah, OK, nous autres, c'était pas bouché, mais on pouvait pas voir d'aurore. Donc, hier soir, ça descendait presque au niveau du lac Saint-Jean, là, donc la couronne ici. Puis, elle était beaucoup plus intense aussi, beaucoup plus large et beaucoup plus verte. Donc, c'est possible, tant qu'on utilise le site en question, d'avoir de l'information autant sur les taches solaires qu'on retrouve ici. Donc, on en voit une qui est assez importante. Puis, on voit cette même tache-là ici. Puis, on la voit ici aussi. Donc, tout à l'heure, je vais en parler un petit peu plus, mais tant qu'on voit une tache solaire sur le soleil, puis on voit aussi des points lumineux juste à côté. Donc, on peut penser que la tache solaire bouche la quantité de lumière qui est envoyée vers la Terre. Mais tant qu'on regarde bien comme il faut, eh bien, les points lumineux qui sont à côté compensent amplement la partie noire occasionnée par la tache solaire. Donc, je vais retourner au partage de la présentation. Est-ce que c'est revenu au niveau de la présentation? Non. Non? OK. Non. Ça fait que je vais retourner au partage. Ouais, il faut que tu fasses modifier le partage. OK, là, OK. moi. Là, tu l'as? Ouais. OK. Donc, on va aller à la page suivante. Donc, l'activité solaire, je l'ai mentionné tout à l'heure, 11,2 ans en moyenne. Puis, chaque cycle peut durer entre 8 ans et 15 ans. Puis, ils sont numérotés depuis 1761. Puis, le prochain maximum est prévu en 2025 et on embarque dans le cycle 25. Si on regarde les 400 dernières années d'observation des taches solaires sur le Soleil, eh bien, on voit que dans le premier secteur, ici qu'on appelle Maunder Minimum, eh bien, ça s'est produit entre les années 1645 et 1715 sur une très longue période sans taches solaires qui ont été observées. Pendant cette période-là, qu'on appelle le minimum de Maunder, eh bien, il faisait très, très froid sur la planète et en Europe, puis dans le nord du Canada, puis en Alaska aussi. Puis, on a appelé ça le Mini Ice Age. La question qu'on doit se poser, cependant, est-ce que ce minimum-là est dû au fait qu'il y avait très peu d'activité sur le Soleil, ou s'il était occasionné par d'autres phénomènes qui sont produits sur la Terre. Tant qu'on regarde l'histoire, eh bien, dans cette période-là, il y a eu beaucoup d'éruptions volcaniques. Les éruptions volcaniques, ça peut envoyer du CO2 dans l'espace, mais ça peut aussi envoyer beaucoup de poussière et de soufre, ce qui fait en sorte que ça n'a pas un effet de serre, mais ça a un effet plutôt de réfléchir la lumière qui arrive du soleil, puis la retourner dans l'espace plutôt que de se rendre sur la Terre. Donc, à ce moment-là, ça a créé une période de froid très intense qui a duré jusqu'aux années 1850 environ. Puis, pendant ces années-là, les glaciers se sont avancés. Puis, on a pris aussi des mesures de carbone 14 des arbres, puis on a constaté que pendant cette période-là, aussi les anneaux des arbres avaient une croissance beaucoup plus faible. Donc, c'est plutôt une période, c'est vrai que c'est une période glaciaire, mais c'est plus
la présence de volcans ou de poussière dans l'espace, qui a, dans l'air, qui a fait en sorte qu'on a eu une mini période glaciaire qui s'est étendue jusqu'aux années 1950. Il y a aussi le minimum de Dalton qui s'est produit un petit peu plus loin, donc en 1800 puis 1825. Donc le minimum de Dalton, c'est tout simplement aussi une éruption volcanique qui s'est produite, le nom du volcan, je vais vérifier mes notes, une éruption du volcan du mont Tambora en Indonésie qui aurait entré en éruption, qui aurait créé une baisse de température au niveau du sol, puis en même temps, pendant cette période-là, il y a eu un minimum de taches solaires. Donc, c'était aussi un hasard au niveau du minimum de Dalton qu'il y a eu une diminution de la température, puis que le nombre de taches solaires à l'époque aussi était beaucoup moindre que la moyenne des années antérieures et beaucoup moindre aussi de ce qu'on va constater dans les années suivantes. Dans les fins au début du 19e siècle ou du 20e, dans les années 1900, donc au début du 20e siècle, on va aller ici, donc on l'appelle le minimum de Glasberg. Eh bien, encore une fois, on a constaté un minimum d'activité solaire au début du 20e siècle. Donc, on l'appelle le minimum de Glasberg. Puis, un petit peu plus tard, ce qu'on appelle le maximum moderne. Donc, c'est les périodes à partir des années 1950 où on a constaté qu'il y avait beaucoup plus d'activité solaire. Puis ça a duré jusqu'aux environs, presque aux années 2000, donc 1980-1990. Puis cette activité-là a été, on a pu, avec les instruments modernes qu'on utilise aujourd'hui, bien avoir beaucoup plus de détails sur les taches solaires, puis essayer de comprendre de plus en plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Les recherches scientifiques pour les connaissances au niveau du fonctionnement interne du Soleil sont très peu approfondies, mais il y a des études qui sont faites pour... Oups, j'ai avancé trop vite. Les spécialistes au niveau de l'étude du Soleil prévoit au cours des années 2020 et plus ce qu'on appelle un minimum moderne, puis on l'appelle aussi l'âge, un mini-âge de glace, parce qu'on dit que dans la période où il y a eu un minimum, on l'a appelé aussi un âge de glace. Donc, on pense que ben, c'est les journalistes, en fait, qui sont partis avec ça. Parce qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Eddy qui a fait une étude sur qu'est-ce qui s'est passé dans les années 1400-1450 sur la croissance au niveau des arbres. Puis, il a relié ça au fait qu'il y avait très peu d'activité solaire. Donc, le monsieur en question, eh bien, qui s'appelle Eddy, qui vivait dans les années 1900, eh bien, ils ont donné son nom au niveau minimum moderne qu'on pense peut-être avoir avec à partir de 2020 en montant. Donc, les journalistes, eux autres, ont pris le nom du monsieur en question, puis ils ont dit, oh, on s'en va vers un minimum, donc on retourne vers un mini-âge glaciaire parce que le monsieur en question avait étudié la croissance des arbres dans les années passées. Donc, il y en a plusieurs qui disent que finalement, si on s'en va vers un mini-âge glaciaire, c'en est terminé pour les changements climatiques, donc on devrait être correct. Mais qu'en est-il vraiment au niveau du Soleil? Eh bien, avec les instruments qu'on a maintenant dans l'espace, on est en mesure de vraiment quantifier la quantité d'énergie qui nous arrive du Soleil. Donc, la Terre tourne autour du Soleil, puis au mois de janvier, malgré que nous, ce soit l'hiver, eh bien, le Soleil est au plus près, la Terre est au plus près du Soleil. Donc, on reçoit un petit peu plus d'énergie en janvier. À ce moment-là, on reçoit environ 14 410 watts par mètre carré du Soleil. En été, eh bien, la Terre est beaucoup plus proche, excusez, beaucoup plus loin du Soleil. À ce moment-là, on reçoit moins d'énergie.
On reçoit environ 1320 watts par mètre carré du soleil, ce qui donne une variation d'environ 88 watts par mètre carré, donc une variation de 6,5 % de l'énergie qui arrive du soleil qui vient jusqu'à la Terre. Cependant, sur cette moyenne-là, ici de 1360 watts par mètre carré, bien, ça donne ben, ce que je viens de mentionner, 6,5 %. Donc, c'est la puissance reçue par une unité de surface qui est perpendiculaire au rayonnement juste au-dessus de l'atmosphère terrestre. Donc, à ce moment-là, on est dans l'espace, puis on est vraiment perpendiculaire au rayon qui arrive du Soleil. C'est la quantité d'énergie qu'on reçoit du Soleil. Le fait qu'il y ait des taches solaires ou pas, avant de passer à ça, c'est tout simplement une explication sur la façon de mesurer. Donc, on a un mètre carré. On mesure la quantité d'énergie, puis le fait que la Terre tourne autour du Soleil, il y a une petite variation au niveau de la Terre, au niveau de l'énergie qu'on peut recevoir. Lorsqu'on est en hiver, disons du côté dans l'hémisphère nord, eh bien, tant qu'on est rendu sur la Terre, tout ça, comment dire, c'est réparti sur une beaucoup plus grande surface, étant donné qu'on n'est pas perpendiculaire directement au plan des rayons qui arrivent du Soleil. Si on est plus vers le milieu de la Terre, à ce moment-là, le mètre carré correspond à la quantité maximum d'énergie qu'on peut recevoir au niveau du sol. Puis, lorsqu'on est rendu en été, dans l'hémisphère nord, eh bien, si on continue le rayon ici, eh bien, le mètre carré va se répartir sur une surface beaucoup plus petite, ce qui permet d'avoir plus de chaleur par mètre carré au niveau du sol. Il y a aussi, étant donné qu'il y a des taches solaires sur le Soleil, eh bien, on peut penser que les taches solaires bloquent une certaine quantité d'énergie qui nous est envoyée vers la Terre. Puis cette variation d'énergie-là, qui est reçue en fonction des taches solaires, n'est que de 0,1 %. Puis là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le 0,1 %, il est positif ou négatif? Donc, tant qu'on regarde vraiment les éruptions qui se produisent au niveau du Soleil ou au niveau des champs magnétiques qui autour des taches solaires, eh bien, on peut voir des points lumineux qui sont très intenses et qui, finalement, plus on a de taches solaires, eh bien, plus les points lumineux viennent compenser la portion. Donc, qu'on perd par la tache solaire qui est un petit peu plus noire. Donc, à ce moment-là, eh bien, le 0,1 % d'affectation des. Oups! Excusez, il y a un écran qui s'est ouvert sur mon ordinateur. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est plus 1 ou 0,1 %? Donc, en fait, c'est les taches solaires sont plus sombres et plus froides, mais elles s'accompagnent de points lumineux qui augmentent l'intensité de la radiation solaire. Donc, tant qu'il y a beaucoup de taches solaires, en fait, on reçoit un petit peu plus d'énergie du Soleil jusqu'à la Terre. Gaétan, Oui. Gaétan, ben, c'est sûr que ça, c'est nouveau ce que tu me dis là, ça m'étonne un peu, là. Parce que pour moi, une tache solaire, c'est une protubérance qu'il y a eu là, c'est un flare, là, c'est une expulsion, là. Ben, pas nécessairement une Pas expulsion, une expulsion. ça revient, ouais, c'est vrai. C'est pas une éjection de masse, c'est juste, ça sort puis ça rentre ailleurs. C'est ça? Oui, ça ressort et ça rentre, mais s'il y a un bris disons, des liens, des champs magnétiques ou des lignes magnétiques qui relient deux taches solaires, à ce moment-là, il peut y avoir éruption. Ouais, c'est ça. Et disons, éjection de matière dans l'espace. Mais Mais au niveau de la variation de la quantité d'énergie qui est émise par le Soleil, c'est tout simplement qu'il faut regarder non pas la masse, disons, l'éjection de masse coronale, mais il faut regarder aussi la luminosité très intense qu'il y a autour de la tache solaire qui la peut se tâche solaire. produire. Oui. C'est autour de la tache solaire qui se produit un point lumineux qui est très intense, mais qui compense très, disons que la quantité est très faible. C'est juste 0,1 % de variation.
au niveau des. Ouais, c'est sûr, c'est pas facile à voir à l'œil. Ouais. Disons qu'à l'œil, au niveau des mesures des instruments, c'est pas évident non plus parce qu'en même temps, la Terre tourne autour du Soleil, puis elle s'éloigne, puis elle se rapproche Mais aussi. c'est ça, cette protubérance-là qui se crée, c'est dans le H alpha, c'est pas dans la lumière visible aussi, là. Ça peut être dans la lumière visible comme l'ultraviolet, ça peut être dans plusieurs, dans tout le spectre de lumière du soleil, d'après ce que j'ai pu lire. Ouais, OK. Parce que la lumière ultraviolet vient, on est chanceux sur la Terre, elle est bloquée pour éviter qu'on souffre de cancer. C'est la même chose dans l'infrarouge, en fait, qui est Ouais. bloqué par l'atmosphère terrestre. Donc, disons que ça, c'est des mesures qui se font au niveau de. Dans l'espace. Mais tu vas voir qu'une fois rendu sur Terre, dans les prochaines étapes, qu'est-ce qui arrive vraiment au sol? C'est là qu'on était rendu. Quelle est la quantité d'énergie réellement reçue au sol? C'est une toute autre histoire. OK. Donc, tu vas voir que la puissance moyenne au sol, on a dit tout à l'heure que le Soleil, dans l'espace, juste au-dessus de l'atmosphère terrestre, était à peu près à 1360 watts par mètre carré. Puis ce qui se rend au sol, c'est 340 watts par mètre carré. Ouais. Donc c'est l'albédo de la Terre qui fait en sorte qu'il y a une très grande partie, à peu près 1040 watts par mètre carré, qui est réfléchie dans l'espace, qui ne se rendra jamais à la Terre. OK. C'est tout simplement l'albédo de la Terre, qui l'albédo, c'est tout simplement la réflexion. Où là, un élément qui est un corps très noir aura un albédo de 0, un corps qui réfléchit 100% de la lumière aura un albédo de 1, puis dans le cas de la Terre, eh bien, c'est à peu près 60% là, qui est réfléchi. Je n'ai pas le chiffre exact, par exemple, là, en mémoire, mais il y a une bonne partie de la quantité de lumière ou d'énergie qui est envoyée par le Soleil qui arrive à la Terre, qui est réfléchie dans l'espace. Donc, les principaux facteurs de changement climatique, donc il y a l'énergie solaire qui varie en fonction des tâches solaires. On évalue, les scientifiques évaluent que ça correspond environ à 0,1% positif. Donc, tant qu'il y a beaucoup de tâches solaires, on a 0,1% de plus d'énergie qui est envoyée vers la Terre. Les variations orbitales contribuent à 6,5% de la variation d'énergie qui est reçue dans l'atmosphère, au-dessus de l'atmosphère. Ensuite, l'autre chose qui peut amener des facteurs de changement climatique, c'est lorsqu'il y a des impacts de gros météorites, un peu comme celui qui serait tombé au Yucatan, lors de qui aurait supposément fait disparaître les dinosaures, et l'impact des volcans. Donc, on voit ici que l'impact des météorites et des volcans peut avoir un impact sur les changements climatiques, mais la plupart du temps, c'est un impact qui est pas d'absorber la quantité d'énergie, mais de réfléchir beaucoup plus de lumière vers le soleil, vers l'espace. Puis il y a aussi l'activité industrielle ou les gaz à effet de serre. Qui, eux, c'est cette activité où les gaz à effet de serre ont comme effet de garder l'énergie qui est reçue par le soleil, de la garder à la surface de la Terre, ce qui fait augmenter la température moyenne avec le temps. Donc, l'énergie solaire, on peut dire que c'est assez constant, donc 6,6%. L'impact des météorites puis des volcans, eh bien, ça dépend beaucoup de. Je préférerais qu'on ne reçoive pas un gros météorite équivalent à celui qui était tombé au Yucatan, mais que les volcans, eh bien, il y en a toujours, puis il y en a toujours eu. Il y en a eu dernièrement en Islande qui amenaient des problèmes au niveau de l'aviation. Ça n'a pas nécessairement amené beaucoup de changements au niveau de la baisse de température, puis l'activité industrielle. Donc, si on revient ici, donc une bonne partie de l'énergie est retournée dans l'espace et il y en a suffisamment au sol pour assurer la vie sur Terre. Donc, le 340 watts par mètre carré, ça fait des siècles qu'on reçoit cette énergie-là. La présence de volcans, bien entendu, pendant plusieurs, ça peut avoir affecté
un peu la température pour créer des périodes, des petites périodes glaciaires. Donc, ça contribue. Le niveau du soleil contribue très peu à la variation d'énergie au niveau du sol. Les impacts des météorites puis des volcans, ça vient changer l'albédo de la Terre. À ce moment-là, ça peut réfléchir encore plus la lumière ou l'énergie qui arrive du soleil. Puis c'est ça qui aurait fait disparaître les dinosaures. Puis la présence de soufre et de poussière permet d'augmenter l'albédo. Et à ce moment-là, il y a plus d'énergie qui est retournée dans l'espace plutôt que de se rendre au sol. Donc, il faudrait, si on veut contrôler les changements climatiques puis contrer les gaz à effet de serre, il faudrait qu'il y ait plus de volcans qui rentrent en éruption. C'est drôle à dire, mais c'est à peu près ça. Donc, si on regarde la courbe qui est ici dans le bas, eh bien, c'est les effets totaux disons, de l'activité industrielle. Donc, l'activité industrielle, c'est le pétrole, c'est le charbon. Puis on regarde le charbon, là, ça continue à augmenter énormément. La ligne rouge, c'est les gaz. Ensuite, j'ai plus de misère à le lire, là, mais les cimenteries. Donc, il y a de plus en plus de cimenteries qui viennent affecter aussi les gaz à effet de serre. Donc, si on additionne tout ça, on voit la tendance de la courbe ici, qui fait en sorte que il y a un impact industriel est beaucoup plus important que les changements de l'activité solaire. Donc, le pétrole, le charbon, le gaz naturel, les cimenteries, puis d'autres phénomènes. Donc, pour un grand total, on voit ici, là, c'est le nombre de tonnes de carbone en milliards de tonnes qui sont dégagées dans l'air, qui permettent d'agglomérer ou de contenir les gaz, disons, la chaleur à l'intérieur de l'espace terrestre. Donc, c'est les effets de serre qui sont les plus importants. Puis, on peut conclure que l'absence de taches solaires ne contribue pas au réchauffement climatique. Il faut aussi, donc, il faut donc chercher d'autres causes, que le soleil. Donc, c'est surtout l'impact au niveau de l'activité humaine qui est importante au niveau des changements climatiques. Pour revenir aux prochaines années, donc, on était dans un cycle très, très bas au niveau de l'activité solaire. Donc, en 2020, c'était le creux. Au début de 2020, donc, on est au mois de mai, on confirme que le cycle 25 est commencé. Puis, on peut se poser la question, cependant, qu'est-ce qui va arriver avec le Soleil? Parce que le Soleil, de plus en plus, brûle son hydrogène. Donc, actuellement, il est composé de 75% d'hydrogène, puis de 25% d'hélium. Puis l'hydrogène continue à être consommé à 4 millions de tonnes par seconde. C'est quand même beaucoup de matière qui est consommée. Puis, disons que si on faisait brûler ça dans la cour chez nous, je pense qu'il ferait très, très chaud, là. Donc, 4 millions de tonnes par seconde qui brûlent. Donc, le soleil va finir par tout brûler son hydrogène. Puis, tant qu'il va commencer à brûler l'hélium, puis à convertir tout ça en d'autres éléments de plus en plus lourds, puis on sait que le fer, à long terme, ça brûle très, très mal. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Donc, on pense qu'aujourd'hui, que le soleil élève sa luminosité de 10% à tous les 1,1 milliards d'années. Donc, si on se place dans une couple de milliards d'années, eh bien, le Soleil va être de plus en plus brillant et à ce moment-là, le Soleil va contribuer vraiment à l'élévation de la température au niveau du sol terrestre. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la Terre va se retrouver aujourd'hui, la Terre est située dans une zone qu'on appelle une zone qui est la zone habitable, puis est très bien positionnée pour assurer la vie. Donc, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, on est très bien, puis depuis plusieurs millions d'années qu'on vit sur Terre, eh bien, la Terre est dans un milieu vraiment très propice pour assurer la survie. Cependant, ce qui va arriver lorsque le Soleil va devenir de plus en plus brillant et envoyer de plus en plus d'énergie dans l'espace, eh bien, la Terre va en capturer beaucoup plus. Puis à ce moment-là, ça peut
amener des problèmes au niveau de la vie sur la Terre, dans le sens que la zone habitable va s'éloigner et se rapprocher de Mars. Donc, dans une couple de milliards d'années ou dans 1 milliard d'années, la zone habitable va se déplacer vers l'extérieur, donc elle va se rapprocher de Mars, rendant la surface terrestre trop chaude pour que l'eau à l'état liquide puisse y subsister naturellement. Donc, à long terme, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'eau sur Terre va s'évaporer. Puis là, à ce moment-là, on ne sera pas rendu complètement à la fin de vie du Soleil, mais les gaz à effet de serre vont être très élevés. Les océans vont s'évaporer, la température au niveau de la Terre va augmenter, puis toute forme de vie risque de disparaître à ce moment-là parce que la température du Soleil va augmenter. Donc, ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que la température, étant donné que la zone habitable va s'approcher de Mars et même se rendre jusqu'à Mars, eh bien, tous les dioxydes de carbone puis l'eau qui est actuellement gelée dans le sol martien vont être libérés dans l'atmosphère, en créant un effet de serre à la surface de Jupiter, pas de Jupiter, mais excuse, à la surface de Mars. Puis ça va permettre à la planète de se réchauffer puis d'atteindre des conditions comparables. Donc, on pourrait mettre des points d'interrogation ici, là, mais il y en a plusieurs qui espèrent que c'est ça qui va arriver dans le futur pour pouvoir migrer vers la planète Mars. Donc, on espère que les conditions vont devenir semblables à celles qui existent sur Terre actuellement, en offrant un nouveau potentiel d'îlots possibles de vie sur la planète Mars. Donc, ça va être à voir tant que ça va dans une couple de milliards d'années, on ne sait pas trop. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que le Soleil va faire? C'est que tant qu'il va avoir fini de consommer tout son hydrogène, puis qu'il va avoir commencé à consommer aussi son hélium, et le Soleil va commencer à grossir de plus en plus. Puis, en grosseur relative, le point jaune ici représente le Soleil actuel, puis la portion orange représente le Soleil futur, près de sa fin de vie. Puis, à ce moment-là, il va s'étendre sur un diamètre d'environ 2 unités astronomiques. 2 unités astronomiques, eh bien, ça veut dire que la Terre va se retrouver à l'intérieur de la boule orange ici, puis la boule va être très proche de la planète Mars aussi. Donc, le Soleil, à ce moment-là, va atteindre presque sa fin de vie, soit 10 milliards d'années. Donc là, il va y en avoir vraiment des changements climatiques parce qu'il va faire vraiment très, très chaud. Donc, le Soleil va devenir une géante rouge, puis il va commencer à devenir de plus en plus gros, en fur et à mesure qu'il va finir de consommer son hélium, etc. Donc, à ce stade, il va rentrer dans une nouvelle phase de son cycle de vie, connu sous le nom de géante rouge. Puis, quelques 100 millions d'années plus tard, il va se disperser tout le gaz à sa surface. Un peu comme pour M57, avec la naine blanche à l'intérieur. Donc, notre Soleil va conserver à peu près 54% de sa masse, va devenir à peu près de la grosseur de la Terre, mais cette naine blanche-là va être 100 fois plus lumineuse que le Soleil actuellement et va se refroidir par la suite, mais ça va prendre aussi des milliards d'années avant que la naine blanche se refroidisse pour disparaître complètement. Heureusement, ce n'est pas pour demain. Donc, en attendant que cela se produise, essayons de protéger notre espace de vie pour en profiter au maximum. Donc, c'est ce que je voulais vous parler ce soir. Donc, les taches solaires, on peut conclure qu'actuellement, il n'y a pas vraiment d'effet sur le climat occasionné par les variations de taches solaires sur le Soleil. Je te remercie. Je trouve ça malheureux un peu, finalement, Gaétan, parce qu'on n'aura pas personne à blâmer à part nous autres. Disons que ce que j'espère, c'est que oui, c'est nous autres finalement qui fait augmenter la température au niveau de la Terre. Puis c'était la même conclusion que la petite madame qui nous avait fait la présentation au Cégep. Mais disons que là, on a inclus le soleil est vraiment, c'est pas vraiment de sa faute s'il fait chaud aujourd'hui ou qu'il y a des changements climatiques sur la Terre. Oui, exactement. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Gaëtan? Je suis certain qu'il y en a qui se meurent de poser des questions.
Oui, je crois qu'il y a des micros qui se désactivent, qui s'activent. Est-ce que vous voulez poser des questions? Pas de questions? Ben, écoute, mais Gaëtan, c'était clair comme l'eau de crique, comme on dit. Ouais, faut croire. C'est ça. Fait que je te remercie encore. Écoute, Ça me fait plaisir. c'est toujours intéressant de voir différents aspects là, de l'astronomie. Puis là, ben, les cycles solaires, c'est une question que je m'étais déjà posée aussi. Puis là, ben, c'est ça. Ma balloune est pétée, là. Je pourrais pas l'accuser là, de réchauffer la Terre. En tout cas, un jour, il va réchauffer, par exemple, mais pas pour tout de suite. Ça, c'est sûr. Pardon, messieurs, y a-t-il moyen de parler 2 minutes? Ah oui, ben c'est ça qu'on vous demandait depuis tantôt, là, s'il y en a qui avaient des questions. Oui, mais c'était le temps de me décider à savoir si la question que j'étais pour poser était stupide ou pertinente. Vous avez mentionné que plus la Terre est loin du Soleil, plus on arrive vers l'été. Et vice-versa, quand la Terre est proche, on est en hiver. Mais Effectivement. ce qu'on se demandait, c'était en réalité, si elle est plus proche, c'est pas plus chaud. Je vais retourner, je pense, à la. Je vais ressortir la slide que je mentionnais ça. Vous nous avez montré un angle un peu perpendiculaire là, qui fait que peut-être la surface terrestre a plus de. On a peut-être plus de surface exposée, mais ça fait étrange. On aurait tendance à penser qu'étant donné qu'on est en été, le soleil est plus près. Oui, mais sauf Oui, mais que. c'est que dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse, hein? C'est C'est ça. juste à cause de l'inclinaison de la Terre qui fait qu'on a que ce qui fait en sorte que la quantité d'énergie qui arrive à la surface du sol, pour nous, dans l'hémisphère nord, le mètre carré qui est perpendiculaire au Soleil dans l'espace est sur une plus grande surface dans l'hémisphère nord pendant l'hiver. Puis en même temps, la Terre est plus proche du Soleil. Donc, pour les gens dans l'hémisphère sud, eh bien, ils sont un petit peu plus proches, ils reçoivent un petit peu plus d'énergie. Mais nous, dans l'hémisphère nord, étant donné l'inclinaison de la Terre, eh bien, on reçoit un peu moins d'énergie à cause de la répartition de l'énergie sur une plus grande La surface au niveau du surface. sol. Tandis qu'en été, la Terre est plus loin du Soleil pour nous. Dans l'hémisphère nord, eh bien, à ce moment-là, c'est l'été. Mais pour les gens dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Donc, eux autres, ils reçoivent un petit peu moins d'énergie du soleil parce que on est plus loin du soleil. Mais en même temps, à cause de l'inclinaison de la Terre aussi, ils reçoivent encore un petit peu moins d'énergie qui est répartie sur une plus grande surface. Ah, c'est Donc, pratique. si, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pourrais Oui, partager oui, l'image. Mais Gaëtan, si je comprends bien, c'est peut-être pour ça que dans l'hémisphère sud, leur hiver est moins rigoureux que le nôtre, puis que leur été est pas mal plus chaud que le nôtre. Ça pourrait être un effet parce que la différence de puissance reçue au niveau du sol en hiver puis en été, la différence est de 88 watts par mètre carré, disons dans l'espace. Puis il y en a à peu près 10% qui seront au sol. Donc ils reçoivent à peu près 8 watts par mètre carré De de plus. plus d'énergie parce que ils sont dans l'hémisphère sud puis qui sont en hiver, ils sont un petit peu plus proches du soleil. Donc, tandis que nous, on est un petit peu plus loin du soleil en été. C'est les changements de saison, tout simplement, à cause de l'inclinaison de la Terre. C'est une des façons qu'on explique aussi les changements de saison au niveau des. Je pourrais retourner à l'acétate qui parle où je montrais l'inclinaison de la Terre. Est-ce que je partage encore? Oui, c'est toujours là. OK. Donc, si je prends cette image-ci, eh bien, on pourrait tout simplement inverser l'image. Je ne sais pas si je suis capable de la tourner.
Non, je ne serais pas capable de le tourner là, parce que je ne suis pas en mode édition. Donc, il faut regarder ici la surface qui arrive, les rayons du soleil qui arrivent vraiment perpendiculaires. On est en hiver. Donc, ici, l'hémisphère nord, on est en hiver. Puis, tant que la Terre est rendue de l'autre côté du soleil, les rayons vont arriver de ce côté-ci. Donc, à ce moment-là, on est en été dans l'hémisphère nord, puis ils sont en hiver dans l'hémisphère sud. Fait que c'est ça qui explique la différence de température entre l'hiver et l'été. C'est tout simplement la quantité d'énergie est beaucoup plus distribuée sur une très grande surface au lieu d'être sur un mètre carré. Donc, c'est ça qui fait qu'il fait plus froid l'hiver qu'en été. On pourrait ajouter aussi que l'hiver, les journées sont plus courtes, fait qu'on le reçoit moins longtemps en plus. Moins longtemps en plus, effectivement, Thomas, c'est un bon point. Fait que ça se rajoute. Fait que le fait que c'est une ellipse autour du soleil, en fait, c'est négligeable par rapport à. Ben, ça donne du niveau de la. Ben, c'est négligeable. C'est, disons, c'est 88 watts par mètre carré qui change entre les différentes saisons, vu dans l'espace. C'est pas énorme, là. C'est 6,5 % de variation. OK, Lorraine, toi, est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça répond à ton questionnement? Oui. OK, Oui, parfait. c'était le temps de retrouver le mute button. Oui, merci. Merci beaucoup, hein. C'est vraiment intéressant votre conférence. Puis je suis contente d'avoir enfin réussi à maîtriser Zoom parce que je vais pouvoir me joindre à vous les prochaines semaines. Ben, il va en rester une semaine. Comment ça, vous finissez bientôt? Moi, le 12 juin. Non! Mais vous commencez quoi, en septembre ou c'est Oui, c'est ça. terminé? Ah, OK. Bon, ben, Être j'aurais au moins trouvé la queue pas de la comète, mais la queue des conférences. Oui, ben c'est ça. Ben Être oui. l'autre, est-ce que vous allez continuer avec Zoom en automne? Oui, en fait, je réponds à Gaëtan. Oui, on veut continuer avec Zoom. J'en ai parlé aussi à Jasmin. Et on va voir. Mais lui aussi, il pense que la plateforme Zoom va continuer. Là, on en a trop besoin un peu pour plusieurs activités là qu'on peut faire à la fac. Là. Fait que, mais c'est sûr que si Zoom est présent, nous on va continuer à faire des. Toutes nos présentations, toutes nos conférences vont être sur Zoom pour permettre à tous nos membres, même s'ils ne sont pas présents, d'assister. Et aussi, ben, peut-être qu'on va accepter des gens là, d'ailleurs là, qui ne sont pas membres. En tout cas, il va falloir qu'on discute avec le CA, voir de quelle manière qu'on peut le faire. Et même s'il y a des membres de d'autres clubs qui voudraient être membres de chez nous, mais juste virtuels, ben, il y aura peut-être des possibilités aussi à ce niveau-là. En vérité, vous avez créé quoi de nouveau? Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, on a créé la fac nous a permis de le faire. C'est ça qui est important. Nous autres, on a embarqué, on n'a pas hésité. Et puis, tu sais, pour aller chercher des conférenciers là, d'intérêt, tu sais, des gars comme Thomas, toi, on a eu, je regarde dans les présences, tu sais, on a eu Patrick Dufour, tu sais, on a eu Oriane la semaine dernière, tu sais, on a eu Michel Saint-Laurent, tu sais, Michel. on a eu plein de monde là, qui de partout au Québec. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir une banque de conférenciers beaucoup plus élargie. Est-ce que vous allez nous donner encore l'occasion de profiter de votre télescope? L'observatoire, ou ça va faire relâche aussi à cause de la pandémie, ou. Ah, tu veux dire pour cet été, là? Ouais. Non, ben nous, présentement, déjà, on pourrait recevoir pour des sessions d'observation au télescope, parce que ça se passe à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Moi, je m'attends à ce qu'on permette
de pouvoir venir nous visiter à l'intérieur bientôt, là, d'ici le mois de juillet. C'est ce que de toute façon, j'ai préparé pour la ville un plan du COVID. Là, autrement dit, c'est quoi les mesures qu'on prendrait au planétarium. Alors, mais ça, c'est en prévision que des gens peuvent venir nous rencontrer à l'intérieur, pas juste à l'extérieur. Puis vos séances où on pourrait profiter du télescope, ça serait quand, une couple de soirs par semaine cet été, ou ça va faire un large jusqu'à l'automne? Ça va être à tous les soirs. Ah oui. Je voudrais juste poser une question à Claude. Votre question, c'est quand prendre possession d'un télescope ou pas? Ce que vous posez comme question, est-ce qu'on peut regarder avec un télescope à distance? C'est ce que vous posez comme question? Non, nous, ben, c'est sûr que oui, ça pourrait se faire, mais nous, c'est pas ça qu'on va faire, là. Parce que les gens, habituellement, je sais que à date, là, quand on a des visiteurs, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de voir avec leurs yeux. Tu sais, j'aurais beau avoir une petite caméra, puis montrer l'objet sur un ordinateur ou sur un écran, mais c'est pas ça que les gens veulent. Les gens, ça, ce qui les impressionne, ce qui les épate, c'est qu'ils disent, hey, là, je le vois avec mes yeux. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas enlever ça. Ça, jamais. C'est ça, exactement. Jamais, jamais. Le problème que je vois, c'est que la contamination peut se faire par les yeux. Ils sont tous monoculaires, puis un autre observe après. Puis à l'émettre du burel sur l'oculaire, c'est peut-être pas qu'est-ce qu'il y a de mieux non plus. Jamais. C'est la restriction qu'on a eue ici à Coleraine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêter le télescope à personne. Non, on ne peut pas regarder dans le télescope à moins qu'il n'y ait plus de COVID. Mais quand on partage les télescopes, c'est chacun son télescope, chacun sa vision de l'observation du ciel. Puis est-ce que c'est plus beau? Le plus beau, je pense, c'est de partager chacun ce qu'on a dans les observations du ciel. Puis je rappelle Claude, qui est le premier guide. Je te renvoie la parole. Ouais, c'est ça. En tout cas, on va voir. Là, c'est sûr qu'on pourrait toujours essuyer l'oculaire. C'est quand on va au magasin, là, c'est pas nécessairement du Purel qu'on se met ses mains. C'est souvent de l'eau et du savon. Fait que, tu sais, entre chaque personne qui observe, moi, je pense qu'on pourrait nettoyer l'oculaire. Là. C'est ça. Et si quelqu'un pleure sous l'oculaire, disons, puis qu'il y a le COVID, ben, tu sais, après ça, ça ne saute pas, ça. Mais je pense qu'il va falloir le nettoyer après chaque usager. En tout cas. Il faut juste être gentil, en fait. Pardon? Il faut juste être gentil, en fait. Ouais, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Pas d'autres questions? Parfait. OK. Mais c'est ça. Soyez assurés qu'on va étudier la question, mais c'est évident qu'on va continuer à utiliser Zoom si c'est offert par la Fédération. Mais, okay. Claude, oui? si le monde regardait avec des lunettes, des lunettes qui n'ont pas de... Juste avec des lunettes, là, c'est juste des lunettes de protection, là, ça ferait-tu? Probablement, c'est okay. Vrai. Oui. Mais là, il faudrait que chaque personne ait sa lunette. Il faudrait les nettoyer après. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est sûr. OK. C'est ouais. Ça. Tu sais, comme tu sais, des lunettes de sécurité que tu mets pour travailler, là. Mm-hmm. Bon, chaque personne, mettons qu'on en a une quinzaine. Bien, après ça, on les passe, les gens regardent, puis à la fin de la soirée, ils mettent ça dans le bac pour les nettoyer. C'est sûr. En tout cas, on verra. Bien, c'est ça. C'est probablement une idée intéressante que tu viens d'amener, là. Je l'avais pas, j'y avais pas pensé, là, mais... Ça va prendre un relief de l'œil très élevé sur le clair, ouais. Parce que tu vas éloigner l'œil de l'oculaire. Oui, c'est vrai. C'est ça. OK.
S'il n'y a pas d'autres questions, on sera rendu aux nouvelles astronomiques avec Raymond. Alors, Raymond, okay, à toi la parole. Bon, je partage mon écran. Oui. Ah, tu as partagé Gislaine? OK. Attends un peu. Faut que j'aille chercher mon... Est-ce que vous voyez l'écran? C'est quoi que tu veux qu'on voie? Là, ce que je vois, c'est un répertoire. Là, c'est un répertoire. C'est un peu, ouais, je vais lancer le... vous êtes en train de partager votre écran. OK. C'est pour Amor. Là, vous voyez-tu? La même chose. Même chose. On voit ton répertoire. Donc, je vais recommencer d'abord. Oui, c'est tout. C'est souvent ça la meilleure chose à faire. OK. Ah, OK. Ouais, là, vous le voyez? Oui. OK. Actualité astronomique du 5 juin 2020. Ça, c'est une photo de la Lune que j'ai prise cette semaine. Donc, c'est un test que je faisais avec mon nouvel appareil photo. Ah, c'est quoi que tu as comme appareil? Un Nikon. OK. Nikon 5200, je pense. Quelque chose comme ça. Bon. Mais c'est un full automatique? C'est un zoom? Ah oui, c'est là, j'ai... Donne-nous des détails. Je l'ai mis sur le manuel, là, mais c'est un test que je faisais. Là, c'est ça. Je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. Ce qui m'a surpris, c'est que les couleurs de la Lune sont quand même pas si mal. Ça semble réaliste. OK. Mais là, tu as zoomé quand même. Là. C'est quoi ton oui, zoom? Oui, oui, j'ai zoomé, bien sûr. C'est sûr que j'ai zoomé au maximum. Tu as zoomé comment? J'étais au maximum. Je ne sais pas combien, mais c'était j'allais plus loin que je pouvais. OK, mais je ne sortais pas d'idée combien. Non, je n'ai pas tout noté, là. Parce que, tu sais, un gars comme Thomas puis moi, là, nous autres, là, ce qu'on veut savoir, oui, c'est combien que tu as zoomé. Ensuite, je vous avais montré une petite animation l'autre jour on voyait la Terre vue de la Lune vue de la Terre, puis la Terre vue de la Lune. Mais là, c'en est une qui montre la rotation de la Lune autour de la Terre. Puis on voit le Soleil aussi. Et ce qui est plaisant aussi, c'est qu'on voit aussi une vue extérieure. Fait que là, on voit vraiment que la Lune, elle tourne. Parce que c'est sûr que de la Terre, là, on dirait que la Lune ne tourne pas, étant donné qu'elle est en phase là, avec la Terre. Oui. OK. Ça fait que c'est parti, c'est pas long. Ça fait qu'on voit bien la rotation de la Lune. Puis de la Terre, c'est sûr que la Lune ne semble pas tourner. Et c'est sûr que c'est une période de 29,1 jours, je pense. Bon, c'est ça que tu as la petite animation. Suivant. Bon, SpaceX a envoyé avec succès deux astronautes de la NASA dans l'espace. Fait que SpaceX est devenu samedi la première entreprise privée à envoyer deux astronautes de la NASA en direction de la station spatiale. Il s'agit du premier vol habité parti des États-Unis en 9 ans. Il s'agissait de la deuxième tentative de l'entreprise après une première annulée à la dernière minute à cause de la foudre. Une dizaine de minutes après le lancement, une partie de la fusée Falcon 9 a atterri sur une plateforme au large de la Floride. Cela permettra à la compagnie de la réutiliser pour de futures missions, ce qui est très avantageux, bien sûr. La NASA est de retour et les États-Unis sont à nouveau à la tête de l'exploration spatiale, a vanté le vice-président américain Mike Pence lors d'une conférence suivant le lancement. L'objectif est clair après ce premier lancement en 9 ans. Retourner sur la Lune, puis envoyer des Américains sur la surface de Mars.
a répété le vice-président, vantant du même coup le courage des astronautes et l'ingéniosité de la NASA. Ouais, la NASA n'a pas fait grand-chose là-dedans. En passant, ben, le Crew Dragon, les deux astronautes l'ont surnommé, lui ont donné un nom. Ils l'ont appelé Endeavour en l'honneur des dernières navettes, la dernière navette là, de la NASA. Bon, c'est un changement symbolique. Ce n'est pas un homme de la NASA qui... Oups, là, je ne suis pas capable de voir mon texte. OK. Qui donna l'ultime autorisation pour le décollage. Mais c'est le directeur de lancement de SpaceX, Michael Taylor, les officiels de l'espace de l'Agence spatiale américaine n'ayant pas de rôle dans le compte à rebours. Crew Dragon est une capsule comme Apollo, mais version 21e siècle. Les écrans tactiles ont remplacé des boutons et manettes. L'intérieur est dominé par le blanc, l'éclairage plus subtil. Un seul cordon ombilical relie les combinaisons au siège pour fournir air frais et communication aux deux hommes. Contrairement aux navettes, dont une a explosé en 1986 après le décollage, Dragon peut s'éjecter en urgence si la fusée a un problème. Si elle est certifiée sûre quand Dragon reviendra sur Terre dans quelques mois, les Américains ne dépendront plus des Russes pour accéder à l'espace depuis 2011. Les Soyouz étaient les seuls taxis spatiaux disponibles. Les acheminements depuis la Floride reviendront réguliers avec 4 astronautes à bord. Bon. Davantage de preuves que Mars a déjà eu un anneau. Pendant longtemps, après leur découverte en 1877, les scientifiques ont supposé que les deux petites lunes de Mars, Deimos et Phobos, étaient des astéroïdes piégés. Cette supposition a persisté jusqu'à ce que des preuves révèlent que les deux lunes se sont formées en même temps que la planète rouge et que la plus petite, Deimos, a une orbite mystérieusement inclinée. Les précédentes théories suggéraient que les lunes de Mars se sont formées à partir de débris éjectés lorsqu'un impacteur géant a frappé Mars entre 100 millions et 800 millions d'années après la création de la planète. Cependant, cette nouvelle version de la théorie, c'est toujours une théorie là, quand même, présentée lors de la 236e réunion virtuelle de l'American Astronomical Society cette semaine, suggère qu'après la collision initiale et au cours de milliards d'années, des générations de lunes martiennes ont depuis été recyclées en anneaux, qui, à leur tour, se sont transformés en de nouvelles lunes plus petites. Et pour Phobos, le cycle pourrait reprendre. En 2024, l'agence spatiale japonaise JAXA prévoit d'envoyer une sonde spatiale sur Phobos dans le cadre de sa mission Martian Moon Exploration, MMX. Cette ambitieuse navette s'aventurera sur Phobos, recueillera des données détaillées sur la Lune et même des échantillons de sa surface pour les ramener sur Terre. Les scientifiques étudieront ensuite ces échantillons à l'aide d'un équipement de laboratoire parmi les plus sophistiqués qui soient. Ce qui aidera les chercheurs à sonder le passé trouble des lunes martiennes. Ils ont trouvé la matière manquante à l'univers à l'aide de puissantes et lointaines ondes radio. Parce que cette nouvelle-là, je l'ai vue sur plusieurs sites d'astronomie. Nos théories sur l'univers ont un problème de matière manquante. La moitié fait défaut. Mais ce problème des baryons manquants, l'une des énigmes les plus persistantes de la cosmologie, est maintenant résolu. Les astronomes ont utilisé de puissantes ondes radio provenant de lointaines galaxies pour sonder l'espace entre les étoiles et révéler où se cachait la matière qui fait défaut à l'univers. Dans les vastes gouffres qui séparent les galaxies, un gaz si fin qu'il ne peut être détecté par d'autres instruments a étiré ces signaux radio de plusieurs millisecondes, juste assez pour que nous puissions le mesurer. Nous connaissons approximativement la composition matière-énergie de l'univers. Environ 68% de l'univers est constitué d'énergie noire, 27% de matière noire, et les 5% restants sont des choses que nous pouvons détecter. De la matière normale ou baryonique composée de particules baryoniques. C'est l'élément constitutif de tout ce que nous pouvons voir. Donc, c'est grâce aux sursauts radio rapides, ces ondes radio extrêmement puissantes provenant des profondeurs de l'espace qui émettent des radiations équivalentes à des centaines de millions de soleils en l'espace de quelques millisecondes seulement. La plupart d'entre elles n'ont été détectées qu'une seule fois. Elles sont donc extrêmement difficiles à prévoir et à localiser. Les radiations quittent leur source sous la forme d'un faisceau compact
sur l'ensemble du spectre radioélectrique. Mais lorsqu'ils arrivent ici, détectés par nos télescopes, le signal est étiré, certaines longueurs d'onde atteignant des fractions de millisecondes avant d'autres. Cela peut être analysé dans le contexte de la distance parcourue pour calculer la quantité de matière traversée par le signal, afin de créer la résistance nécessaire à la dispersion de cette longueur d'onde. Parce que dans les 5% de matière, dans le fond, il nous en manquait la moitié là, du 5%. Puis là, ben, avec cette méthode-là, ben, ça nous permet de trouver la matière manquante. J'aurais préféré qu'ils trouvent la matière, l'autre 95% qui nous manque. Oui, c'est sûr. En tout cas, c'est un début. Les sursauts radio rapides proviennent des galaxies situées à des millions, des milliards d'années-lumière. Et cette distance est l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons les utiliser pour trouver les rayons manquants. En anglais, ils appellent ça des fast radio bursts. C'est des sursauts d'énergie excessivement puissants, beaucoup plus puissants que les supernovas. C'est extrêmement court. Puis comme il disait tantôt, sont difficilement localisables. L'équipe a utilisé cette technique sur un certain nombre de sursauts radio rapides récemment localisés, certains à des milliards d'années-lumière de distance, pour calculer la teneur en gaz du milieu intergalactique. Le rayonnement des ondes radio rapides est diffusé par la matière manquante de la même manière que les couleurs de la lumière du soleil sont séparées dans un prisme. Nous avons maintenant pu mesurer les distances d'un nombre suffisamment de sursauts radio rapide pour déterminer la densité de l'univers. Nous n'en avons eu besoin que 6 pour trouver cette matière manquante. Les signaux radio ne sont pas suffisants pour déterminer la composition de la matière. On pense que c'est de l'hydrogène ou de l'hélium, probablement. Mais la quantité calculée à partir des FRB était conforme à la quantité de matière prédite à partir des mesures du fond diffus cosmologique. C'est un résultat stupéfiant, la meilleure preuve à ce jour que la matière manquante se cache dans un espace qui n'est pas si vide après tout. Donc, on voit les ondes radio, puis quand ils traversent la masse matière. Oui, la matière en tout cas manquante, là. c'est ça, ils sont... les longueurs d'onde sont ralenties. Suivant. Fait que là, je vous rends une petite vidéo qui dure 2 minutes seulement, qui résume en fait tout ce que je viens de vous dire. C'est en anglais, mais c'est quand même facile à comprendre. C'est parti. Thank you.
Voilà. SpaceX, après l'ISS, un premier voyage vers mars 2022. Alors que SpaceX vient de marquer l'histoire de l'industrie spatiale en envoyant ses premiers astronautes en orbite, n'oublions pas que la société a des ambitions plus grandes encore, les missions vers Mars. Un premier voyage en 2022. La société a déjà mis quelques pieds à l'étrier. En effet, le vaisseau lourd Starship et le booster Super Heavy ont déjà été pensés en parallèle. Les sites d'atterrissage potentiels sont également à l'étude, tout comme l'infrastructure capable à terme de soutenir durablement les premiers explorateurs. Car SpaceX n'ambitionne pas simplement de poser le pied sur Mars. Elon Musk veut en effet construire une ville dans laquelle pourra grandir et s'épanouir une colonie. Bon, côté calendrier, SpaceX aimerait profiter de la fenêtre de lancement ouverte en 2022. Dans le fond, c'est que la planète Mars est vraiment au plus proche de la Terre. Ça me permet d'aller sur Mars plus facilement. Puis ça, c'est des cycles de 26 mois pour envoyer une première mission sans équipage vers Mars. Là encore, c'est ambitieux, mais les fenêtres d'ouverture autorisant les lancements vers la planète rouge ne s'ouvrent que tous les 26 mois. Très grossièrement, les premiers voyages vers Mars se dérouleront de façon suivante. Un booster Super Heavy lance un vaisseau Starship qui rejoint ensuite un autre vaisseau précédemment lancé et rempli de carburant, une sorte de gigantesque station-service. Une fois le transfert de carburant effectué, le vaisseau se dirige alors vers Mars avec le réservoir plein. SpaceX envisage d'envoyer deux de ses vaisseaux cargo au cours de la prochaine fenêtre de lancement. Le reste du calendrier dépendra de ses premières missions. Si l'on se projette malgré tout, l'idée serait ensuite d'envoyer de premiers équipages sur la surface martienne. Bien que le Starship puisse officiellement transporter jusqu'à 100 passagers, les premières missions porteront probablement des équipages beaucoup plus petits pour laisser plus de place au chargement nécessaire à la mise en place des camps de base. SpaceX espère également réduire la durée du voyage au maximum, environ 6 mois, de manière à exposer le moins possible les passagers au rayonnement cosmique. Encore une fois, ces visions sont très ambitieuses et de nombreux défis techniques doivent encore être relevés avant d'autoriser un jour une présence humaine sur Mars. Mais SpaceX, boosté par l'ambition démesurée de son fondateur Elon Musk, est habitué à nous surprendre. Puis là, j'ai mis aussi l'adresse de la nouvelle. Si vous voulez plus de détails sur la mission martienne, là, vous avez juste à aller sur sciencepost.fr, ciel espace. L'adresse est là. Raymond, tu vas-tu me les envoyer, tes liens, tes hyperliens? Oui, je peux te les envoyer. Oui, OK. C'est bon. Okay. Je l'enverrai. Ça, c'est la dernière photo de... Oups, excusez. Un peu. Précédent. Bon. Merde. Bon, j'ai réussi à déplacer quelque chose qui cachait mon... Le site d'échantillonnage, c'est encore Osiris Rex. C'est la dernière photo que nous a livrée cette semaine de l'astéroïde Bennu. Le site d'échantillonnage est situé dans le cratère au bas de l'image. Donc l'échantillonnage devrait se faire dans ce cratère-là ici, juste au-dessus de la tache sombre au centre du cratère. Le long rocher de couleur claire à gauche de la tache sombre nommé Strix Saxum mesure 17 pieds. Donc, ce serait le rocher qu'il y a ici, là, d'après moi. Là.
La longueur, okay. La mosaïque est tournée de sorte que l'aise de Bénu se trouve en haut de l'image. C'est ça. L'échantillonnage est supposé se faire le 20 octobre. Puis cette mosaïque-là, ben, comme vous pouvez voir, là, c'est, je ne sais pas combien de photos, là, mais c'est une quantité énorme de photos. OK. Et ensuite, je vous donne aussi, c'est dommage parce que c'est juste en italien, là, mais c'est quand même une revue astronomie qui est gratuite aussi. Là. Je vous ai donné l'adresse ici, là, c'est coleum.com. Fait que c'est une revue qui est, si vous la téléchargez, et qu'avec le PDF, ben, c'est sûr que s'il y a un article qui vous intéresse vraiment, même si c'est en italien, mais en tout cas, tu peux toujours la traduire facilement. Mais c'est quand même une revue très intéressante aussi. Là. Fait que là-dessus, je vous laisse avec ça. Merci pour la pause. Je n'en pouvais plus. Tu crois qu'ils ont compris? J'espère, mais je ne suis pas sûr. Fait que c'était mes nouvelles. Merci. Ah ben, merci, Ramon. OK. Si tu peux te départager. Il y a aussi, comme on a mentionné pour Ramon il a mis des hyperliens. Demain, quand je vais vous envoyer le lien sur YouTube, eh bien, je joindrai ces hyperliens-là. Et aussi, Gaëtan, j'ai oublié de le dire tantôt, m'a envoyé le PDF de sa présentation et je la ferai parvenir à tout le monde aussi en même temps. Donc, si jamais il y en a qui veulent consulter. S'il y en a qui voudraient le PowerPoint, eh bien, vous pouvez m'écrire. L'adresse courriel est indiquée dans la présentation. Puis, vous aurez à ce moment-là les petites animations GIF qui étaient incluses dans le PDF. Dans le PDF, vous ne pourrez pas les voir, mais dans le PowerPoint, vous pourrez les voir. OK, parfait. Michel Gagnon? Oui. Hey, la semaine dernière, tu m'as fait découvrir ta revue Macrocosmos, c'est ça? Ouais. Oui. Okay. Oui, super de revue. Demain, je pense que je l'avais ajouté la semaine dernière, mais je ne sais pas, t'aurais-tu le temps de fouiller pour trouver le lien web, puis nous le partager, puis nous montrer un petit peu la revue? Là, parce que je ne sais pas si tout le monde la connaît. Là, mais, comment? Quand tu vas sur le site, l'adresse, tu l'as sur la revue. Oui, je sais. Mais c'est parce que là, je veux que tu me le présentes là. Live. Ah, je l'ai pas là. Faudrait que j'irai le trouver. Ben, c'est ça. Trouve-les pendant que moi, je parle. Parce que moi, je vais parler du ciel du mois, là. Le voici, le voilà. OK. Bon, alors... suite à la semaine dernière que j'avais utilisé de Sky, qui était vraiment le beurré d'informations, j'ai retrouvé une ancienne version de Starry Night que j'avais depuis plusieurs années. Elle est légale en passant, j'ai toute la licence, toute. Mais il est extrêmement compliqué, là. Tu sais, c'est pas user-friendly que tu arrives puis que tu fais marcher ça comme Stellarium Web, là. Ouais, ou Stellarium. Ouais. Il est plus complexe un peu. Mais quelqu'un qui veut faire des cours, n'importe quoi, là, c'est excellent. OK. Donc, aujourd'hui, eh bien, on est le 5 juin. Et le 5 juin, eh bien, est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui. Tout le monde voit le ciel? OK. Alors ici, vous pouvez voir que c'est la Lune et on est à la pleine Lune aujourd'hui. Mais souvent, à la pleine Lune, on peut avoir des éclipses. Et il y avait une éclipse lunaire aujourd'hui qui n'était pas visible d'ici. En fait, de l'Europe, de la France, c'était une éclipse qui était juste... c'était une éclipse de pénombre, qu'on appelle. Je ne me rappelle plus le nom exact, là, comment est-ce qu'on appelle ça. Mais c'est une éclipse qu'on pouvait juste voir la pénombre. Ça veut dire qu'on voit un obscurcissement très léger du soleil. Attendez un petit peu, voilà. Conversation. OK. Tu vas l'envoyer, c'est ça? Ah, OK, pour la revue Astro Publishing? Oui. OK. On la regardera tantôt. Si tu vas là-dessus, tu vas le voir.
OK, on le regardera tantôt. OK, donc, c'est ça. Donc, la Lune, et comme je mentionnais, en tout cas, il n'y avait rien à voir ici, ça, c'est sûr. Et maintenant, si j'avance, là, présentement, il est 22 heures, et c'est pour Saint-Félicien, les coordonnées. Hein. Alors, Saint-Félicien, peu importe où ce que vous êtes au Québec, ça se ressemble. La seule différence, c'est qu'il fait clair plus tard ici que par chez vous, à Thetford Mines ou à Québec ou ailleurs. Alors, si j'avance jusqu'au 8 juin, oups, pourquoi est-ce qu'il n'avance pas l'enfant de la merde? OK, là, il a avancé. Le 8 juin, aux alentours de 1h du matin, là, il va-tu? OK. Alors, vers 1h, 2h du matin, on dit que Jupiter est à la gauche de la Lune. Alors, Jupiter, si je le fais apparaître, eh bien, on peut voir que Jupiter est juste ici. Là. Hein? Mais il ne faut pas oublier, on est à 1h, 2h du matin. Ça vient tout juste de se lever. Si je recule d'une heure, la Lune est couchée. Et tout juste à côté, eh bien, on peut même voir Saturne, hein, qui est tout près de la Lune le 8 juin. Et si on avance encore d'une journée, OK, là, il a marché ce coup-là. La Lune se lève avec Jupiter, Saturne, OK, en tout cas, c'est ça. Fait que, et même, on a un bonus ici, on a même la planète Pluton. Si jamais il y en a qui sont intéressés par ça, eh bien, vous pourriez voir la planète Pluton. Et au niveau des constellations, ben, c'est sûr qu'on est à 2h du matin, là, le soleil est en train de se lever, on peut voir l'aigle. Mais si je veux qu'on voit toutes les... je n'ai pas oublié de faire ça. Il y a une clé de raccourci. On peut voir le ciel. Alors, on peut s'apercevoir qu'on a le Sagittaire qui est pas mal au sud vers ces heures-là. Et on a Officius, mais lui, c'est le Serpentaire, c'est ça? Officius. C'est le Serpentaire, hein, c'est ça? Oui, Claude. OK, c'est ça, je pensais. Je te voyais faire oui, là, mais je n'étais pas sûr. OK, l'aigle, Sagitta, le Capricorne, Aquarius et... je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas un nom en français là-dessus. C'est le Verseau, Aquarius, c'est ça. Alors, c'est ça, bon. Et le 9 de juin, ben ça, je viens de le mentionner. Et ici, maintenant, on va jusqu'au 12 de juin. Là, l'enfant de Nanan, il ne me disait pas quelle heure. Alors, je vais aller chercher, attendez un petit peu. Je vais aller chercher Mars. OK, Mars est juste ici dans le coin complètement. Alors, on peut voir la Lune. Je vais avancer d'une heure. Ça va nous aider un petit peu. Alors, ce qu'on avait comme information, c'est que Mars, on a Mars et Neptune qui sont très près l'un de l'autre. Et ici, bien, c'est ça. C'est tout dans le même secteur que la Lune. Et ce qui est plaisant avec attendez un petit peu. Pourquoi est-ce que je n'ai pas la même chose que cet après-midi? Bon, après-midi, là, j'avais des options, puis là, je ne les ai plus. En tout cas. Bon, on va faire un petit zoom sur Neptune. Mais... j'ai pas bah, l'option. Ah, OK, j'ai l'option là. Alors, si je veux agrandir Neptune, eh bien, j'ai cette option-là qui fait en sorte qu'on peut l'avoir à la grosseur qu'on veut. Et par la suite, ici, je peux faire avancer le temps en heure. Et, oups, ouais.
c'est la pagaille. Là, il faut que je fasse... Non, CTRL-D, B. Je vais me réessayer, voir. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il tournait comme ça. Là. Ah, OK. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il va, il va trop vite. Si je mets des minutes... Alors, c'est probablement là, la Terre, en tout cas, c'est ça. C'est une variation à l'heure. Bon. On va revenir à nos petits. Fait que... Ah, OK. Bon, là, on est rendu sur Uranus. Alors, naturellement, Uranus aussi, c'est un bel objet qu'on peut voir quand même assez bien au télescope. On peut même voir ses couleurs et c'est vraiment intéressant. Alors, si je reviens à l'heure d'aujourd'hui, alors si je me mets ici comme ça, je reviens à l'heure, je me place au coucher du soleil, j'avance de quelques heures. Eh bien, en étant orienté franc-sud, on revient un peu où on était tantôt, on peut voir ici les différentes constellations, la Vierge qui sort, qui est une constellation du printemps et qui se dirige vers l'ouest, qui va se coucher un peu plus tard. Et on a justement ce qu'on a vu tantôt, le Serpentaire, l'Aigle, et le scorpion, le beau scorpion qu'on voit ici. Et si j'enlève l'horizon, eh bien, on voit le Sagittaire qui est juste ici. Et qu'est-ce qu'on aperçoit dans cette région-là où la Lune, alors, c'est pas pour ce soir, mais on s'aperçoit que c'est le noyau de la galaxie. Et dans le noyau de la galaxie, eh bien, on a une très grande quantité d'objets messiers. Hein? On a énormément d'objets messiers qui sont possibles d'être vus. Alors, on a un peu l'embarras du choix. Alors, ici, ici, normalement, si je mets Messier, je devrais avoir mes Sky Objects. OK. Alors, voyez-vous, j'ai tous les objets Messier qui sont ici. De toute façon, je les ai à l'écran aussi, là, mais si je veux juste, j'essaie juste de me retrouver comment est-ce qu'eux autres ils fonctionnent. Et on pourra avoir la M8, si on se centre dessus, eh bien, c'est la nébuleuse du Lagon. Qu'on peut agrandir et on peut voir toute l'étendue là, et les photographes, ben, ils s'amusent beaucoup avec cet objet-là. Et juste au-dessus, eh bien, on a la nébuleuse du Tréfide. On peut la voir ici. Alors, on voit les lobes de couleur hein, qui sont bien présents. Alors, c'est évident qu'à l'œil, à l'oculaire, c'est pas des objets qui sont nécessairement très spectaculaires, mais je peux vous dire que quand on les photographie, eh bien, c'est vraiment quelque chose à voir. Alors, si je me recule encore un petit peu, alors, vous avez aussi M17 Omega Nebula, que moi j'appelais ma crevette. Ça ressemblait, je trouvais que ça ressemblait à une crevette, mais ici, ça ne ressemble pas pantoute. Là. En fait, c'est comme un angle droit là, à quelque part ici. Mais les autres, ils l'ont mis beaucoup plus gros. Là. Et juste un petit peu en haut, on a M16. M16 qui est l'objet qu'on identifie, que Hubble identifie comme les piliers de la création. Alors, là-dedans, il y a les formes de piliers qu'on voit où il y a la naissance d'étoiles.
C'est pour ça qu'ils ont appelé ça les piliers de la création. Alors, après ça, en tout cas, c'est sûr que des objets ici, il y en a un bon nombre. Ah, OK, c'est vrai aussi, je voulais vous parler de la comète Swan. On a un petit peu. Voyons, je suis à Saint-Félicien, moi, là. Il fait bien en clair, en tout cas. Ici, si je fais planète. Si je fais planète, normalement, j'ai à quelque part. Il me semblait que j'avais toutes les. Non. Je vais écrire Swan. Swan, ça doit être celle-là. Alors, la comète qui remplace un peu celle là, qui nous a tellement déçus là, au niveau de Atlas, là. Eh bien, si je mets les étoiles, eh bien, on peut voir, regardez, Capella, ça, c'est, on est à 2h48 du matin. On peut voir que Capella est ici et la comète Swan est ici. Alors, si je sors un petit peu d'informations sur cet objet-là, je peux le grossir un peu aussi. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'ils l'ont mis en forme de lobe, un peu comme Churyumo. Je ne suis pas certain que c'est le cas, mais en tout cas, ils l'ont mis comme ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait probablement beaucoup, beaucoup de comètes qui avaient cette forme-là. Bon, alors, si je regarde sa position dans le ciel, à cette heure-ci, okay. Azimut 15 degrés, altitude 4 degrés. Ouais, c'est pas très haut. Si je regarde une heure plus tard, eh bien, elle va être à 7 degrés et à 4h48, eh bien, 12 degrés. Mais à 4h48, si je remets l'atmosphère, parce que là, je l'avais comme enlevé, oubliez ça, hein, c'est peine perdue. Et si je continue quand même le soir, attendez un petit peu, je vais me replacer. Jour, voyons. OK, alors, si je me replace en soirée, j'avance un petit peu. Et si j'essaie de retrouver Swan, eh bien, elle se trouve toujours dans le cocher. Un petit peu. OK. Alors, la voici. Et elle n'est vraiment pas très haute dans le ciel encore. Quand je l'ai essayé tantôt, je me suis rendu compte qu'elle était plus haute le matin que le soir. Elle va être encore à 12 degrés. Alors, si je baisse d'une heure, eh bien, je suis à 20 degrés. Mais à 20h48, il fait clair. Là, c'est parce que l'atmosphère a été enlevée. Là. Mais si je remets l'atmosphère, je vois que c'est pas fameux. Donc, c'est ça. Bon, ben, c'était pas mal ce que je voulais vous montrer. Est-ce qu'il y en a qui a eu des questions? Est-ce que j'ai d'autres choses que je voulais montrer? Non, c'est pas mal ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, mon Dieu, mon son est revenu. Ah, c'est bien. écoutez, je viens de mettre en ligne, je ne l'ai pas mis en ligne, c'est pas vrai, mais je vais vous montrer la revue que je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que tout le monde voit la revue? Oui. Oui. Alors, ça, c'est la revue, là, astropublishing.com.
Et vous l'avez en plusieurs langues. Je ne l'ai pas pris dans la bonne langue. Il y a toutes langues. En anglais, français. Vous l'avez ici en espagnol. Espagnol, en italien. En français. En tout cas, puis même en français, imaginez. Alors, et ça ne coûte rien. Hein, c'est bien ça, Michel? Ça ne coûte rien, cette revue-là? C'est gratuit. Gratos. Alors, c'est gratuit. Puis regardez tous les numéros, les anciens numéros. Il y a plein d'informations super intéressantes là-dedans. Vous avez avantage à la télécharger parce que quand vous la téléchargez, vous l'avez en PDF. Et le texte est saisissable. Oui, c'est ce que j'ai fait, moi. Tu l'as téléchargé en PDF, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, bien, dans le fond, puis aussi, vous la gardez. Hein, vous la mettez dans un petit coin de votre ordinateur. Puis là, ben, quand vous en avez besoin, vous l'avez sous la main. Et de toute façon, les autres gardent tous les numéros, fait que vous pouvez les flusher après puis aller les rechercher. Alors, ça, si je comprends bien, Michel, ça sort à tous les 2 mois, cette revue-là? Deux mois. Bon, OK. Fait que ça, c'est bon. Fait que là, en tout cas, je vous encourage à télécharger, à aller voir, en tout cas, et à la télécharger si ça vous intéresse. C'est une revue que je considère de quand même de bonne qualité. Bon, il y avait l'article sur les météores que je disais, ça va t'intéresser. Oui, je l'ai lu. Oui, effectivement. Alors, c'était vraiment intéressant. Alors, il n'y a rien à comprendre, mais c'était intéressant. Mais quand on regarde qu'il en tombe à peu près 100 tonnes par jour de poussière. Oui, ah, c'est ça. Exactement. Et. C'est pour ça que la question, ben, il y a peut-être quelqu'un, peut-être Thomas. Thomas, est-ce que la Lune puis la Terre, avec toute la matière qui leur retombe dessus, on est-tu en train de gagner de la masse? Je crois que oui. Je ne sais pas le chiffre, mais j'ai déjà entendu parler. Je pense que oui. Oui, puis du fait qu'on ramasse de la masse, ça veut dire que les deux s'éloignent l'un de l'autre? C'est ça? Ben, c'est l'inverse. Tu veux dire le Soleil puis la Terre? La Terre puis la Lune. Ah, puis la Lune? La Lune aussi gagne la masse. La Lune, c'est sûr qu'elle s'éloigne, là? Oui, bien, on sait qu'elle s'éloigne, la Lune. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est parce que les masses augmentent que la formule G... la constante gravitationnelle multipliée par la masse de la Terre multipliée par la masse de la Lune plus la masse de la Lune divisée par la distance entre les deux. Alors, si les masses augmentent, ça veut dire que pour garder tout ça en équilibre, il faut que le rayon augmente. Mais si je suis à l'envers, là. Il y a toujours un équilibre dans toute chose. Gaétan, toi, t'as-tu... J'ai déjà lu quelque chose là-dessus, mais je ne m'en souviens pas par cœur. C'est que je sais que les effets de marée, ça a un effet important sur la vitesse de rotation de la Terre. Donc, la vitesse de rotation de la Terre va changer avec le temps. Elle a déjà changé de toute façon. Puis, c'est plus ça qui fait que la Lune peut s'éloigner avec le temps. Il y en a-tu un qui s'appelle la formule là, G, c'est, tu sais, bon, l'énergie, ou je ne me rappelle plus c'est quoi, là, mais c'est égal à G multiplié par M plus M divisé par le rayon. Au carré, divisé par la distance au carré. Oui, moi je m'en souviens. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon, la force qui relie les deux corps, c'est... Oui, c'est ça, c'est la force. Oui. C'est la constante gravitationnelle. Oui. Oui, c'est ça. Multiplié par les deux masses divisé par la distance au carré. La force gravitationnelle, c'est 6,67 point newton. Oui, mais ça, c'est pas important. 6,67 newton mètre carré par kilogramme carré. OK. Oui, les deux masses augmentent, mais c'est totalement négligeable.
si, selon moi, si la distance varie entre la Terre et la Lune, c'est pas à cause de ça. Okay. Non, je penserais plus que ce sera des effets de marée aussi, moi. C'est plus lié à ce que je me souviens d'avoir lu, mais je me souviens plus des l'effet exactement. C'est-à-dire que si on recule plusieurs millions d'années, la Terre tournait beaucoup plus vite qu'elle tourne actuellement. Puis, au fur et à mesure que la Terre a ralenti à cause des effets de marée, la Lune s'est éloignée tranquillement. Puis, l'effet continue. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est mais ça, je ne pourrais pas vous jurer que c'est ça, vraiment. Là. Il faudrait que je retrouverais mes notes là-dessus. Mais la masse, c'est la masse de la Terre plus la masse de la Lune. C'est pas, c'est ça, hein? C'est pas la masse de l'un fois la masse de l'autre. Là. Oui, c'est les deux masses multipliées par elles-mêmes, multipliées par la constante gravitationnelle, divisées par la distance au carré. T'es sûr que tu multiplies les deux masses? Ouais? Okay. Oui. Oui, on a pris ça au secondaire. On confirme, Claude, c'est Françoise. OK, c'est quoi tu dis? Moi, je confirme ce qui a été dit, c'est les deux masses multipliées. Ah, OK, c'est bon. C'est bon. Oui. OK, ben écoutez, moi, je pense qu'on aura peut-être une petite question intéressante ici à comme valider. Qu'est-ce qui occasionne la Terre et la Lune de s'éloigner l'un de l'autre? Alors, on a quand même quelques hypothèses à la table. Gaétan, je pense qu'il nous a amené les marées. Moi, je ne me rappelle plus, il me semble, j'avais vu ça quelque part, mais je ne suis pas certain que le fait que nos deux masses augmentent, eh bien, pour garder la même la force, en tout cas, que le rayon augmentait à cause de ça. Fait que, de toute façon, moi, je vais regarder ça de mon bord. S'il y en a qui veulent regarder ça de leur bord, Gaétan, en tout cas, puis Alain, si vous voulez essayer de retrouver, puis Françoise aussi, là. Puis la semaine prochaine, on pourra arriver avec la conclusion. Un énigme. La physique. Ouais. Bon, écoutez, ça a été une autre belle réunion. C'était agréable de tous vous avoir ici. Je remercie encore ceux qui ont fait des présentations, Gaétan, Raymond et moi-même. N'oubliez pas le solstice d'été, le 20 juin. Comment, il va-t-il en avoir un cette année? J'espère. il est pas confiné, lui? Est-ce qu'il y en a qui aura peut-être des choses qu'il aurait aimé discuter, tandis qu'on est là, on est encore 14, là. C'est bon. Est-ce qu'il y en a qui auraient des interrogations, des choses à questionner, des choses à nous expliquer? J'ai une petite note là, par rapport à la Lune. Là. OK. Elle s'éloigne de 3,8 cm par an de la Terre par l'effet de marée. Ah, bon, mais c'est plat. On a déjà la réponse. La marée provoque la montée de la croûte terrestre et de l'eau et ceci ralentit la rotation de la Terre. Ce ralentissement provoque l'éloignement de la Lune car la Lune accélère son orbite pour conserver l'énergie car il faut que les mouvements entre la Terre et la Lune soient stables. OK. Voilà la réponse. Ah, bien, c'est bien. Parfait. J'ai bien trouvé de quoi être semblable, moi aussi. OK. Bon, bien, c'est résolu. Je vais être bon pour dormir ce soir. OK. OK, bien, moi, je trouve que ces petits points-là, des fois, ça peut être amusant de les amener puis d'essayer de trouver des réponses comme ça sur des questionnements, des choses quelconques. Là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si à un moment donné, qui ont d'autres questionnements, même si vous connaissez la réponse, ça peut être des petits jeux qu'on peut essayer de faire. Et après ça, ben, on s'en va chacun de son bord et on essaie de trouver la réponse. Et en même temps, ça nous fait travailler le génie un petit peu.
Je voulais vérifier avec vous autres si vous avez pointé un télescope vers le Kamatsuan, parce que moi, ça fait plusieurs fois que j'essaie de l'observer, soit avec en la photographiant ou en essayant de la voir avec un petit télescope. C'est vrai qu'elle est basse à l'horizon, que j'ai de la pollution lumineuse du côté nord-ouest qui vient de la ville de Thetford, mais j'ai jamais réussi à la voir encore. Puis elle s'en vient de moins en moins lumineuse. Donc, ouais. L'estincy avec la pleine lune, ça aide pas, là. Mais c'est vrai, je sais pas s'il y en a qui ont réussi à la voir. Ouais, c'est une question pour tout le monde, là. Toi, Thomas, est-ce que vous avez un horizon nord-ouest dégagé chez vous, le soir? Moi, je n'ai pas d'horizon dans aucune direction. Moi, j'observe par en haut. Ouais, toi, c'est le zénith, ton horizon. C'est à peu près ça. Au sud, là. J'ai, même là, je ne suis pas capable d'observer la lune, elle est trop basse. Ça va apparaître dans pas grand temps chez nous. Il y a des nuages full pin dans mon coin. Donc, ce sera pas le soir. Mais de toute façon, avec la pleine lune, c'est difficile à observer. Ça. C'est ouais, pas non, très, très brillant. Là. Chez moi, full nuage. C'est trop, c'est full. Okay. Ben, moi, j'ai essayé, Gaétan, il y a une couple de semaines. Là. Fait au moins une couple de semaines. Je savais pas mal où qu'elle était. J'ai fouillé jusqu'à 11h moins quart, 11h. J'ai jamais rien vu. Puis en plus, il faisait 4, puis j'étais habillé en culotte courte. Puis j'étais pas habillé. On a essayé le même soir, j'ai l'impression, parce qu'ici aussi, il faisait froid ce soir-là. Ouais. En tout cas, j'ai gelé. J'avais mon auto marchait tout le temps. Je rentrais 5 minutes, là, je ressortais. J'essayais de le retrouver pendant quelques minutes. J'avais des bonnes jumelles, là, tu sais. C'était pas que mes yeux, là. Ben, tu te rappelles quand tu m'avais dit que les gens par chez vous l'avaient vu à l'œil nu? Oui, ben, je peux vous montrer une photo, d'ailleurs, si ça. Non, si je vous me voulez. Suis dit, si eux autres, ils l'ont vu à l'œil nu, mais en voir certain, avec une paire de jumelles. Mais en fait, c'est pas ça qu'ils ont vu. Ils m'ont envoyé la photo, puis c'est un. Il y a quelqu'un qui avait pris une photo avec un 600 mm, un autre qui l'avait pris avec un 50 ou un 100 mm. Puis on voit l'image, mais c'est vraiment bizarre. Quand on la regarde avec un 50 mm, on dirait bien que ça ressemble beaucoup à une comète. Il l'avait pris dans le ciel du matin. Mais tant qu'ils m'ont donné des explications par après, c'est que la comète est supposée d'être du côté, dans le ciel du matin, est supposée d'être à gauche du soleil. Puis les autres l'avaient photographié, mais ce qu'ils avaient observé, le soleil s'est levé, puis l'objet était à la droite du soleil, ça fait que ça se pouvait pas que ce soit ça. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, que c'était un avion qui passait bas à l'horizon. Puis ce qu'on voyait, c'était les taches, disons, la fumée, les jets des réacteurs. Qu'on voyait. Ouais, c'est pas la condensation, ça? Oui, la condensation, effectivement. Ben, écoute, je cherchais le terme. Il y a un gars par ici, à un moment donné, il dit: Hey, Claude, il faut que je te montre ma vidéo que j'ai prise. Fait que là, il montre la vidéo, puis là, c'est la même chose que toi, là, mais tu sais, mais sur vidéo, là. Puis tu sais, c'était super brillant. Puis là, lui, il dit: Ah, ça, pour moi, c'est une comète, l'esprit. Alors, je lui dis: Est-ce que vous voyez l'image? Oui. Son vidéo avait même passé à TVA, imagine-toi. Fait qu'on voit les deux jets ici. Puis ouais. Tant qu'ils l'ont photographié avec un 600 mm, on voyait vraiment bien. Moi, je me disais au début: Hey, ça se peut-tu que la comète se soit brisée? Mais en réalité, c'était pas ça du tout. On peut constater que c'est un avion. Hey, un temps d'exposition de 1 millième de seconde. Oui, le soleil était sur le point de se lever. Non, mais je veux dire, il aurait fallu que la comète soit excessivement brillante. Effectivement, donc ça ne se pouvait pas que ce soit une comète. C'est ce que je leur ai dit après qu'ils m'aient envoyé la photo. Parce que je n'avais pas vu la photo tant qu'on avait parlé. Okay. Puis après qu'ils m'aient envoyé la photo, j'ai dit: Oubliez ça, les gars, c'est pas une comète. Ah, il y en a des là, bonnes. Ça sert à quelque chose. Ouais, c'est ça. Bon, allez, go.
Fait que j'arrête le partage. On a vécu des déceptions comme ça. On pensait d'avoir trouvé quelque chose, mais on n'a rien trouvé finalement. Ouais. Ben, je me rappellerai toujours un soir de Perséide. Je ne sais pas si je voulais compter. Là. J'étais avec ma femme et un autre couple. Puis l'autre gars, c'était un astronome amateur, lui, aimait ça, hein, comme moi. Là. Fait que nous autres, on était installés pour une bonne partie de la nuit. Mais les autres, les femmes, là, après une heure, là, c'était fini. Là, t'sais. Fait que là, j'ai dit aux gens, j'ai dit, OK, on va partir, mais avant, là, on s'enligne tous les quatre, puis on regarde chacun de notre bord. Puis quand on aura vu une belle, après ça, on s'en ira. Hey, ça faisait pas 5 minutes que j'avais dit ça. Du coin de l'œil, je vois un point apparaître. Je me tourne la tête, une boule de feu, là, c'est pas une... Puis là, ça se déplaçait pas excessivement vite. Là. Ça se déplaçait peut-être à vitesse comme ça dans le ciel. Ça, pour moi, c'est resté visible 30 secondes minimum. Puis là, je me disais, c'est quoi qu'on vient de voir là? Après ça, quand je suis arrivé à la maison, j'ai tapé ça sur Internet. Puis ça n'a pas été long qu'un gars m'a répondu. Il dit, c'est le troisième étage d'une fusée russe qui devait rentrer au-dessus de l'Atlantique. Elle est rentrée avant. Elle a quand même tombé dans l'eau, là. Mais hey, c'était quelque chose, par exemple. C'était impressionnant. Je peux te dire à quelle date? En 2001. Hey, ça se peut, je ne me rappelle plus. En 2001, j'étais à Rimouski. On faisait une soirée Perséide aussi. Puis on était une trentaine de personnes. On faisait tous de l'observation du ciel. On essayait de voir. Il devait y avoir des satellites qui devaient flasher dans le ciel, des iridiums. Okay. Puis on surveillait les iridiums, puis il nous a passé directement au-dessus de la tête. Ah ouais. L'étage de la fusée russe en question, puis j'étais avec Damien ce soir-là. Oui, puis j'avais mon appareil photo dans les mains, puis j'ai été tellement surpris par l'objet qui a passé dans le ciel que j'ai même pas pris de photo. Donc, il y a beaucoup de phénomènes comme ça qu'on peut observer. C'est vraiment le fun. Tu te souviens-tu à peu près combien de temps qu'on l'a vu dans le ciel? Parce qu'elle était longue. Nous autres, il nous a passé directement au-dessus de la tête. Il aurait été vu à partir de Québec. Il aurait été vu chez vous aussi, que je me souviens. Dans mon souvenir, c'est à peu près 40 secondes. Ah, c'est. Écoute, ça avait été long, là. J'en revenais pas, là. Mais nous, on l'a vu de l'horizon ouest jusqu'à l'est. Il a passé vraiment de ouest-est, puis qui aurait tombé éventuellement. D'après ce que j'ai cru dans les renseignements qu'on a pu obtenir, l'étage russe aurait tombé dans l'océan Atlantique. Oui, c'est ça. Il aurait été vu au Nouveau-Brunswick aussi. Donc, on a contacté d'autres clubs d'astronomie, puis il aurait été vu en Atlantique aussi. Ouais, bien pour dire. Hein. Ouais, c'est en 2000 ans. Ouais. Je m'en souviens très bien. Bon, t'as un petit peu. Il y a quelqu'un qui a peut-être des questions ici. Moi, j'ai fait une petite recherche. OK. La Terre, elle ne grossit pas. Elle grossirait parce qu'on soit des astéroïdes, mais en même temps, on perd continuellement du gaz, de l'hydrogène puis de l'hélium qui s'en va dans l'espace. Et ça compense. OK, ça veut dire qu'on perd plus, on perd, ouais. En fait, on en perd une petite affaire de plus, mais ils disent que c'est négligeable. OK. Quasiment tout le temps à même grandeur. J'ai envoyé le lien pour l'article dans la conversation. Ouais. Mais je suis pas mal certain que c'est l'effet de marée c'est loin. Ça, c'est sûr, l'effet de marée, c'est clair. Mais c'était juste pour dire les astéroïdes, qu'est-ce que ça fait, là? C'est qu'est-ce qu'on reçoit en astéroïde, on leur perd. D'un autre côté, on leur perd en gaz. Les gaz légers comme l'hydrogène et l'hélium qui s'échappent. OK. Il y a une personne qui a posé une question. Je ne sais pas si c'est encore là. C'est Sylvie Parent. Bon, elle dit qu'elle est étudiante. Elle est débutante. Elle a beaucoup de questions. Bon, mais une suggestion de présentation. OK, pour une présentation concernera ce que j'ai entendu parler à propos du temps. Dans le sens que ce qui est vu par un télescope à des milliers d'années-lumière, est-ce qu'on voit qui se serait passé il y a plusieurs centaines ou millions d'années? Oui.
Donc, on est rendu où est rendu ce que l'on voit. Peut-être même que notre propre galaxie aurait été partie prenante de d'autres amas qu'on voit au loin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, puis non, mais en fait, un télescope, là, je ne sais pas si tu es encore là, Sylvie, mais les télescopes, c'est perçu comme des machines à remonter le temps. OK, parfait. C'est perçu comme des machines à remonter le temps. Alors, Hubble a pris des photos de galaxies, de tous les types de galaxies possibles et à toutes les distances. Et il a pu, à partir de ces photographies-là, retracer la formation des galaxies et plein de choses de ce type-là. Alors, c'est sûr qu'une présentation sur un sujet comme celui-là serait probablement extrêmement intéressant. Là. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à ta question, Sylvie. En partie, c'est pas clair pour moi. Si tu prends une photo avec des télescopes des galaxies qui sont très, très loin, ben on dit ça, c'est dans le fond, ce qu'on voit, ça fait partie du passé. Oui. Mais dans le présent, où ils sont rendus où, ces objets-là? Il y en a tellement partout. Il y a eu l'expansion de l'univers, mais on sait maintenant qu'il y a toutes sortes de contractions, expansions un peu partout. L'image actuelle, c'est ce qu'on voit à l'œil nu, plus? Non. Non, ce que tu vois au télescope et ce que tu vois à l'œil nu, si tu pouvais voir les deux, tu verrais la même chose. C'est pas parce que tu regardes dans un télescope que tu vois quelque chose de différent qu'avec des jumelles ou à l'œil nu. C'est juste que tu ne peux pas voir l'objet avec tes yeux sans le télescope. Alors, l'objet que tu vois, si tu as 3 années-lumière, ben ça veut dire que l'image que tu reçois a 3 ans. Si tu as 1 million d'années-lumière, ça veut dire que l'image que tu reçois date de 1 million d'années. Donc, tu vois l'objet tel qu'il était il y a 1 million d'années. Alors, à quoi qu'il ressemble aujourd'hui? Ouais. Eh bien, c'est ce que j'essaie de dire tantôt, c'est que Hubble, en photographiant des galaxies proches et éloignées, a pu comme refaire l'histoire des galaxies en général. Mais tu pourras jamais refaire l'histoire d'une galaxie, à part que l'instantané que tu prends aujourd'hui d'une photo d'une galaxie qui est à 2 milliards d'années-lumière, disons. OK. Claude, est-ce que tu permets que j'ajoute une note? Peut-être ça va être laissé. Disons, on peut prendre quelque chose qu'on voit comme faux à tous les jours. On pourrait prendre le soleil. Le soleil, en fait, tant qu'on reçoit la lumière du soleil, donc que je parlais tout à l'heure, eh bien, cette lumière-là a déjà été transmise par le soleil il y a déjà 8 minutes. Donc, la lumière qu'on reçoit, c'est tant qu'on regarde le soleil à travers un filtre, peu importe, eh bien, c'est comme si c'était quelque chose qui s'était passé il y a 8 minutes passées. Okay. Si le soleil arrêterait de briller demain matin, eh bien, 8 minutes après, on s'en apercevrait. Ça fait bizarre à dire, là, mais c'est juste une question de distance. Puis tant qu'on se parle entre nous, c'est des microsecondes de différence. Donc, on pense parler en temps réel, mais en réalité, il y a toujours une petite différence qui est la vitesse de transmission du son. Donc là, on parle de vitesse de transmission de la lumière. C'est ça. Mais ce qu'on voit qui est à, mettons, même à 3 années-lumière, ils viennent de dire que ça veut dire que c'est ce qu'on voit, ça s'est passé il y a 3 ans. C'est comme ça que ça fonctionne. 3 années-lumière égale 3 ans terrestres. C'est ça. Oui. Ce qu'on voit n'est plus vraiment là, c'est rendu ailleurs déjà. Il y a un mouvement qui fait que tout est rendu ailleurs. Bien, tout bouge dans l'univers. Il n'y a rien qui est statique. Tout est en mouvement. Et souvent, bien, les mouvements, ils paraissent pas parce que c'est tellement loin qu'on a l'impression que c'est statique, mais tout bouge. Oui. Et tout évolue aussi, là, tu sais. Comme probablement que c'est ça que tu voulais dire aussi, là, c'est que ta galaxie que tu vois aujourd'hui, ben, tu sais, c'est sûr que si tu la voyais aujourd'hui à côté, tu la verrais comme elle est réellement.
Bien, c'est sûr qu'elle a évolué énormément. Elle a 3 milliards d'années d'évolution. J'avais un exemple qui est assez frappant, de quoi qui peut bouger. L'étoile Bételgeuse. Bételgeuse, on dit qu'elle est due pour exploser en supernova prochainement. Fait qu'on observe Bételgeuse dans le ciel couramment et elle a probablement déjà explosé. Mais on va le savoir juste 500 ans après que ça soit arrivé, parce que la lumière prend 500 ans à arriver à nous autres. Oui. Okay. Fait que son influence d'explosion, on ne l'aura pas avant le 500 ans plus tard, qui est peut-être bientôt, dans le fond. Au moment où on va le voir, ça va être rendu ici, ça veut dire. Ça veut, dire, que ça veut dire que ça faisait 500 ans qu'elle aurait explosé. Qu'elle était déjà explosée. Ouais. Mais l'influence est rendue ici au moment où on la voit, comme... Dans le fond, c'est un peu ça que ça veut dire? Ouais, quand on va la voir, c'est la lumière qui est partie il y a 500 ans ou qui va être rendue ici. OK. Mais en fait, quand on la photographie, on la photographie à une période de temps précis, qui est l'âge qu'on est présentement, mais elle est photographiée avec un temps qui est plus reculé dans l'espace parce qu'elle est toute photographiée. Il y a, peut-être juste, c'est combien d'années-lumière? C'est 500. Donc, on l'a pris à 500 années-lumière de distance. Okay. De temps. Ouais. Si on voulait, dans le fond, ce qu'on voit, c'est l'influence actuelle. Si on voulait savoir où elle est exactement présentement, bien, si elle a explosé, elle n'est plus là. Mais une galaxie qui serait encore là, elle serait dans le fond rendue ailleurs, puis il y a moyen de l'extrapoler à cause de ce qu'on connaît le mouvement de l'univers, puis des planètes, puis des galaxies, ou à peu près. On pourrait faire un estimé de comment l'univers est rendu présentement, réellement, par rapport à ce qu'on voit. Il y a une différence, là, forcément. Mais par contre, dans l'univers, les choses qui bougent, là, tout bouge. Tout bouge en même temps. Fait que tout, finalement, même si l'univers s'expansionne, finalement, ça bouge, mais il n'y a pas tant de changement que ça, là. Ben, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je pense, là, que quand tout bouge en même temps, ben, ça reste comme... C'est comme statique un peu, là. Ça reste uni, oui. Oui, c'est ça. Vous avez raison. L'univers a une espèce de statique en soi. Mais quand on la regarde dans un temps plus global, en fait, quand on la met dans son ensemble global, il y a un temps ralenti. Puis si on la regarde avec une certaine haute dimension, elle peut avoir une certaine vitesse différente. Ça dépend de quel regard qu'on lui porte, d'après moi. L'univers, ça a une différence d'après le regard qu'on lui porte. Mais par contre, tout est relié, donc tout bouge en même temps. Exact, parce qu'on se déplace dans un temps, une vitesse incroyable dans l'univers, d'ailleurs. Bien, peut-être pour répondre à votre questionnement là-dessus, là, si à partir de la Terre, on reculait de 1 million d'années, OK? Ben, c'est parce que je vous parle de ça, parce que dans le planétarium, on est capable de faire ça, là. Et on regarde les constellations comme... Orion, justement, ou d'autres constellations, n'importe quelle Orion, constellation. Orion, c'est la plus grande que tu regardes, Claude. Orion, c'est celle qui fait toutes les capes à date. Comment? C'est elle qui nous met en position, chacun de nous, Orion, mon Marion, par rapport aux pyramides, Orion, par rapport à ci, par rapport à la société. Ouais, non, mais là... Également comme ça. Mais là, c'est pas de ça que je parle, là. OK, je te laisse aller. Moi, ce que je dis, là, c'est que si on regarde aujourd'hui, la forme des constellations et qu'on recule 1 million d'années en 2 minutes, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir dans le ciel? On va s'apercevoir que les étoiles ne formeront plus du tout les constellations qu'on voit présentement. Ils sont plus aux mêmes places parce qu'ils ne bougent pas à la même vitesse. Parce qu'ils ne sont pas à la même distance. Et celles qui sont proches, eux autres donnent l'impression qu'ils bougent rapidement. Et celles qui sont très, très, très loin, elles ne bougent pratiquement pas. Mais de toute façon, c'est ça, dépendamment des étoiles que tu as, eh bien, tout va être chambardé. Et ça rejoint peut-être ton questionnement à quelle place qui serait. Alors, il faudrait être capable d'avoir des vitesses radiales
dans les directions. En tout cas, je n'ai jamais pensé à ça. Mais c'est intéressant comme questionnement, là. Remarque, ça. Puis ça aussi. Ton idée des météorites, et ça revient avec l'idée des météorites, l'autre, c'est que ça s'incline toujours avec des. De toute façon, on se déplace dans l'espace. Puis toutes les météorites, en fait, c'est quand on, c'est la Terre qui rencontre des météorites dans l'espace. Tu sais, puis on rencontre l'univers, dans le fond. Si on se met à y penser profondément, on se déplace dans l'univers et on rencontre l'univers. Et les météorites qu'on rencontre, ce sont des rencontres qu'on a dans notre chemin de notre univers de planète. C'est une façon de penser, mettons. Puis aussi, nous, on pense que tout bouge d'une façon elliptique, mais finalement, ça, tout bouge en spirale. Pardon? Je pense que oui. Oui, tout le monde est convaincu de ça. Parce que pendant qu'on tourne autour du Soleil, le Soleil, lui, tourne autour de la galaxie. Fait qu'en réalité, quand la galaxie tourne autour de l'univers. On n'est pas à la même place. On est à la même place autour du Soleil, mais par rapport à la galaxie, on a avancé. Donc on fait effectivement... Exact. Ouais. On fait partie de l'immensité. Oui. Ben c'est ça, il faut avoir un regard là, beaucoup plus vaste. Là, pour, Le regard de l'univers qu'on peut porter sur l'astronomie, je pense. C'est intéressant. Oui, bien écoute, c'est une question intéressante. Ça a fait bouger, ça a fait questionner. Mais c'est ça, mais plus que c'est loin, moins que tu as l'impression que ça bouge, mais c'est parce que tu es loin, là. Ça bouge autant que si tu es proche. Ben, c'est que ça tourne sur un diamètre plus loin du centre de l'univers. Fait que c'est comme nos planètes autour du Soleil. Ceux qui sont plus loin, ça prend bien plus de temps de faire le tour du Soleil parce qu'ils sont plus loin. C'est la même chose pour l'univers. C'est comme un avion dans le ciel. Plus qu'elle est haute, moins qu'on a l'impression qu'elle bouge, là, qu'elle va moins vite. C'est ça, c'est parce que l'espace qu'elle fait dans le ciel, c'est le même qu'elle soit proche ou qu'elle soit loin. Ouais. Quand on est loin, on la voit plus petite, donc l'espace est plus petit. Tu as l'impression que ça bouge moins. Par contre, les planètes qui tournent autour du Soleil, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a les lois de Kepler. Les planètes qui sont loin vont vraiment moins vite que ceux qui sont proches. Ce n'est pas juste la distance. Ah, oui. À cause de la gravité? Oui. OK. Ah oui. L'attraction de la gravité avec le Soleil. Même chose pour les galaxies qui tournent de loin, mais je trouve ça le fun que tu dis ceux qui sont plus proches en termes d'années-lumière. Dans le ciel, si on recule d'un million d'années, ils ne seront plus du tout à la même place, tandis que ceux qui sont très, très loin, ben, on n'aura pas l'impression qu'ils auront bougé beaucoup. Juste parce qu'ils sont plus loin. Puis la distance qu'elle aurait bougé, elle aurait bougé autant. Mais comme c'est plus petit dans le ciel, ben, tu as l'impression que ça bouge moins. C'est plus loin. Tu sais, Hubert Reeves a déjà dit, l'expansion de l'univers, c'est un peu comme une espèce de gâteau au raisin là, que tu mets au four. Ça part tout petit et ça prend de l'expansion. Fait que, tu sais, tout bouge en même temps. Alors, c'est quoi le mouvement des galaxies? OK. Moi, la question que j'en viens à me poser maintenant, là, suite à toutes ces discussions-là qu'on a commencé à faire, est-ce que l'univers lui tourne sur lui-même? Oui, il y a un centre. Mais si l'univers, il s'expansionne comme ça? Les deux. Je pense qu'on se déplace dans l'univers, puis on ne sait pas s'il s'expansionne, ni on se déplace dedans. Oui, nous autres, on se déplace. Oui, mais on ne peut pas. Mais l'univers, lui, il fait quoi, lui? Il faut le regarder, d'ailleurs. Donc, dans ce cas-là, il faut le regarder. Si on se déplace dedans, il faut le regarder. Il faut juste regarder ce qui est devant nous. Et à ce moment-là, la réponse va apparaître, je crois. Mais on parle souvent de 126. L'observation est la meilleure culture de soi-même, je pense. Si tu observes ce qui est devant toi, tu comprendras ce qui va t'arriver demain. Mais on sait que l'univers est en expansion. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est si à un moment donné, s'il ne ralentira pas pour peut-être même... L'observer pour le comprendre. Mais ça, on ne peut pas l'observer. Moi, personnellement,
Mon idée à moi, là, personnellement, c'est que tout respire. Tout ce qui existe respire, une respiration. Si l'univers s'expansionne, bon, c'est peut-être parce que là, après, on respire, mais à un moment donné, il faut qu'elle rejette son esprit. Moi, je pense que l'univers a fait ça. Elle expire, elle expire, elle expire, elle expire. Est-ce que Einstein disait que ça faisait ça, mais à différents endroits, c'est pas nécessairement égal partout? Comme les trous noirs, ils attirent. C'est pas une expansion autour des trous noirs, ça ramène tout dans le trou noir. Donc, il y a contraction à cet endroit-là. Mais notre système solaire est en expansion, par contre, en même temps. Oui, mais par contre, les trous noirs, ils font pas juste prendre de la matière, ils en éjectent aussi. Le trou noir, à un moment donné, ce n'est qu'un élément qui permet d'extensionner l'univers. C'est ce qu'Einstein essaie d'établir. C'est comment on établit l'espace entre trou noir et un autre trou noir qui établit l'espace de l'univers. Parce que l'univers s'établit entre les trous noirs. C'est comme ça que l'univers s'établit ou non. Et parce que l'univers s'établit dans un espace-temps, mais il y a des trous noirs partout. Donc, ce qui établit ou stabilise l'univers, c'est peut-être un état de trous noirs. Moi, j'ai l'impression que c'est comme des poumons de notre univers, les trous noirs, qui peuvent respirer justement. Ils existent, ils sont, ils existent, ils font faire que les étoiles se mettent en question, en essence et en destruction. C'est le début du monde et la fin du monde en même temps. C'est ça l'univers. Puis le fameux 126 000 ans que notre galaxie tourne et revient en lignée avec Orion. Puis les